Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Kixos et de C4 pour une partie de Warhammer 40 000 V9 en format force de frappe entre T, GK et T, Necron. Le scénario sera débordement du Grand Tournament 2021, chapter approuve. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, s'il te plaît, Kixos? Alors, pour les objectifs principaux, scorer à la phase de commandement de chaque joueur pour marquer les 5 premiers points, il faudra tenir 2 pions objectifs. Pour 5 supplémentaires, 3 pions objectifs. Et encore 5 supplémentaires avec plus de pions que son adversaire. C'est domination. Oui, domination, objectif progressif. On va commencer tout de suite avec les secondaires de Kixos. Qu'as-tu choisi pour tes secondaires? En premier secondaire, j'ai pris le rituel purificateur. Charge Warp 5, à la phase de psychique, une unité psycheur Great Knight de mon armée est à 3 d'un pion objectif, elle peut tenter de le purifier en accomplissant cette action psychique. Chaque pion objectif ne peut être purifié qu'une fois au cours du même tour. Pour un pion, je marquerai 1 point, 2 pions 2 points, 3 pions 4 points et 4 ou plus 6 points par ronde. C'est pas mal, donc ça c'est le rituel de purification du codex Great Knight. C'est ça. Ensuite, tu as pris pas de prisonnier, bon, celui-là tout le monde le connaît, et sur tous les fronts. C4, toi, tu as pris abhorrer le sorcier. Bah ouais, hein, c'est normal. C'est quand... cas, hein. Éliminer la vermine du codex Necron, ouais, qui consiste donc à éliminer l'ennemi des quarts de table, et assassinat, qui se couple très bien avec abhorrer le sorcier quand on joue contre du GK. La bataille se jouera sur un battle map de la marque française Torek. Torek Accessories est un partenaire de la chaîne. Les liens et codes promotionnels sont dans la description de cette vidéo. Les décors sont de chez 3D Board Game Accessories. Là aussi, vous trouverez un lien d'affiliation dans la description de cette vidéo. Et 15% de vos achats 3D Board Game seront reversés à la chaîne. C'est un bon moyen de soutenir 40K Wargamer. Je vous rappelle que ces vidéos ne sont possibles que grâce à votre soutien sur Tipeee et que les tipeurs de la chaîne ont 20% de réduction sur le site click29-hobby.fr pour tous vos achats hobby. De phobie. Nous vous faisons grâce du déploiement et on se retrouve tout de suite pour la présentation des armées et la bataille. On se retrouve pour la présentation de l'armée de C4. Je suis parti sur un détachement de type bataillon en 1500 points, avec pour dynastie Zarekan. Donc j'aurai le droit à la relance d'une blesse et j'aurai une invue 1-5 sur les BM. Nous avons ici 2x5 dépeceurs qui seront en translocalisation dimensionnelle. C'est bien dit. Premier choix de QG ici, j'ai Monseigneur Scorpec, qui aura une relique, un trait de seigneur de guerre, pardon, qui fera que je vais diminuer les dégâts de 1, volonté immuable. J'ai ensuite 2x1 Destroyer Lourd Locust. Devant, j'ai 5 Destroyers, Scorpec également, avec un petit Plasma Site pour les booster, si possible. En premier choix de troupes, j'ai ici 14 Guerriers Necron, équipement Lambda, suivi de 5 Immortels ici. En deuxième choix de QG, j'ai Illumineur Zeras, standard. J'ai mon Tétrarch, qui sera le seigneur de guerre avec le trait Servant du Roi Silencieux, qui va augmenter la portée de mes auras. Je lui ai mis également pour 2 PC Main du Pharaon. Du Pharaon. Mon seigneur de guerre sera mon Tétrarque avec Main du Pharaon, qui permettra d'avoir sur 2 unités le plus 1 à la touche. Il a également en relique le bâton, enfin il y a en équipement, pardon, le bâton de lumière avec la relique qui va le passer en bâton voltaïque. Et il aura en trait de seigneur de guerre, servant du roi silencieux, pour permettre d'avoir mes auras à plus grande portée. D'accord. Choix d'élite également, j'aurai 5 factionnaires avec fauchard et bouclier. Ils font mal ça. Bon, on va essayer. On va essayer. J'aurai ensuite... une deuxième fois 14 guerriers Necron en équipement standard, et une deuxième fois également 5 immortels, équipement standard également. Donc je commence la partie avec 9 PC, j'étais à 12, je mets un trait de seigneur de guerre supplémentaire sur mon seigneur Scorpec, donc il m'enlève un PC, et main du Pharaon qui m'enlève 2 PC, donc 12-3, on est à 9, les comptes sont bons,
Le compte est bon, le mot le plus long. Hop, on peut passer maintenant à la présentation de l'armée GK de Kixos. Comme mon copain, je suis parti sur un détachement de type bataillon en 1500 points pour une confrérie de conjurateurs. Mmh. En frappe par téléportation, on retrouvera 2x3 paladins équipés à chaque fois avec 2 halbardes Némésis et une épée de force Némésis pour mon Justicar. Et vous aurez en plus le petit doyen paladin avec sa bannière qui sera avec eux. Oh, c'est beau. Juste à côté d'eux, vous voyez 2 petites escouades d'incursion qui sont dans les transports que vous verrez juste après. Mmh. Sur notre table, nous retrouvons un petit rhino équipement standard, avec juste à côté un apothicaire, pareil en choix d'élite, de confrérie, qui aura lui le pouvoir sanctuaire pour donner des invulnérables à 4 à tout ce qu'il y a autour de lui. Une escouade d'incursion avec 4 halbards Némésis et une épée de force Némésis pour le Justicar. À côté, on retrouvera le bon vieux Voldus qui vous fait dos parce que pour l'instant il a peur. Donc il fait face à son ennemi. Ouais, je sais pas, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Tu crois qu'il fait un besoin naturel? Ah, je sais pas, mais peut-être qu'il claque un peu des fesses. Juste à côté, mon seigneur de guerre qui sera le chapelain de confrérie. Yes. Alors celui-ci, en vision, petit plus qu'il aura, ce sera la prédiction de disposition. Vous verrez juste après ce que ça fait. En litanie, en plus de celle de l'expulsion de base, on aura l'invocation focale qui donnera plus 1 à tous mes sorts si elle passe sur le tour. En relique, nous aurons la cuirasse de sacrifice qui donnera un Feel No Pain à 5 de base et plus 1 au jet de sauvegarde. Le mec il a salade, tomate, oignon, crème, tout la totale. Ah mais lui il a tout, hein. Lui il est là pour ça. C'est le chien qui est pas bien. Le pouvoir, ça sera le modelage du war pour pouvoir changer mes courants de convergence. Et le trait de seigneur de guerre, ça sera premier dans la mêlée. Il aura plus 1 au jet de charge, et il donnera plus 1 au jet de charge s'il a réussi à charger une unité, donc tous ceux qui chargeront la même unité que lui auront plus 1 à la charge, pour fiabiliser un peu tout ça. Yes. Juste derrière caché, parce que bon, il est tout petit pour se cacher derrière ses seigneurs, le cuirassé Némésis, alors lui, il aura bien évidemment ce qu'il a sur son point, l'expurgateur Gatling, si vous le voyez ici, un espadon Némésis, et le point de cuirassé de base, et le petit plus, le téléporteur de cuirassé, ça peut donner quelques très sympas pour pouvoir l'exploiter. Quelle petite surprise! Un Razorback avec une escouade d'incursion dedans. Là-dedans, vous aurez celle avec le marteau tonnerre et 4 halbards Némésis qui sont embarqués dedans. Et on notera qu'il a 2 canons laser. C'est ça. Je commencerai à 12 PC, puisque mon seigneur de guerre est inclus dans mon détachement et que je n'en utilise pas d'autres pour d'autres traits ou quoi que ce soit. Pour finir, ce que j'ai oublié de préciser, Voldus connaît 3 pouvoirs de la discipline Dominus qui seront Amplification Empyréenne, Portail d'infinité et le Vortex Funeste. C'est parfait! Eh bien, on est presque parti, puisqu'on va se retrouver tout de suite avec les GK pour une petite surprise très Grenaille. Et avant de commencer la bataille, avant le jet d'initiative qui va savoir si on rigole du début, ma prédiction de disposition va agir tout de suite, donc je vais redéployer jusqu'à 3 unités base Grey Knight, à savoir que le cuirassé Némésis n'étant pas un grand maître, va être redéployé par ici, je vais le redéployer juste après avec vous. Et les 5 ici de l'escouade d'incursion vont repartir aussi de l'autre côté. A la fin de mon redéploiement, mon cuirassé Némésis ainsi que l'escouade d'incursion qui était ici, tout s'est déployé sur ma droite et je vais faire un petit refus de flanc vu tout ce qu'il a là-bas de dangereux sur mon côté gauche. Ah c'est méchant là. Ok, on se retrouve tout de suite pour le jet d'initiative. Va-t-il être important? Nous allons le voir. Attention, 1. C'est toi encore qui a fait 1 Kixos? C'est son deuxième 1. Vas-y, fais-les maintenant, comme ça après tu seras débarrassé. Ça serait bien. Alors c'est donc les Nécrons de notre ami C4 qui vont commencer. Et avant de commencer le début du tour 1, je vais dire que je suis sous le courant des ombres. Qui fait que j'aurai un plus 1 à ma selle, comme si j'étais à couvert. Et si je suis entièrement dans un décor, j'aurai aussi un plus 1, un moins 1 à la touche. Pardon. Ok. On se retrouve pour le round 1 et le tour 1 des Nécrons avec C4. Alors C4, ta phase de commandement. Donc, on va commencer par récupérer un PC. Bah ouais. Passant à 10. Je vais utiliser un protocole de commandement, protocole du gardien éternel. Et je vais prendre la deuxième directive, qui va me permettre, sur un tir de contre-charge, de toucher sur du 5 et non du 6. Et ou préparer la défense.
qui me permettra d'avoir plus 1 au jet de touche de l'attaque en mêlée. Très bien. Ensuite, mon tétrarque va mettre que ma volonté s'accomplisse sur mes guerriers nécrons ici. Mm-hmm. Ainsi que sur mes immortels là. À la fin de ma phase de mouvement, je vais pouvoir utiliser augmentation mécanique pour buffer immunité. Donc on verra tout à l'heure. Mm-hmm. Monseigneur Scorpec aura en aura à 6 pouces de lui la relance des jets de bless de 1. Ok, eh bien on se retrouve tout de suite après tes mouvements. Fin de la phase de mouvement de ces 4, tu vas nous expliquer ce que tu as fait. Les factionnaires se sont déplacés et sont mis un peu plus de 1 de l'intérieur de la ruine. Les guerriers nécrons se sont décalés légèrement sur la gauche. Et ils continuent à tenir l'objectif. Les immortels se sont décalés également sur la gauche pour avoir une ligne de vue. Le tétrarque et les mineurs Zeras se sont déplacés légèrement vers l'avant en gardant en bulle les unités alentour. Mes guerriers nécrons ici se sont déplacés vers l'avant également, sans trop avancer. Mes immortels se sont décalés sur la gauche pour avoir une ligne de vue sur la Strike Squad. Les destroyers sont déplacés dans la ruine, pardon, en gardant l'objectif et en ayant des unités cachées, avec le Seigneur Scorpec qui les a suivis. Ici, mon destroyer lourd Locust s'est légèrement avancé, histoire de rester en anti-fep, on va dire. Mm-hmm. Mon deuxième destroyer lourd Locust ici s'est décalé sur la droite pour prendre une petite ligne de vue sur le tank si possible. Et c'est tout pour ma phase de mouvement. Donc, fin de ma phase de mouvement, je vais utiliser l'aptitude de mon Illuminor Zeras que je vais appliquer sur l'unité ici. Donc je vais jeter un dé. 4, donc ils auront plus 1 en endurance. Pour toute la partie. Pour toute la partie. Ok. On se retrouve pour la phase de tir de C4. C'est parti, ces nécrons qui sont très nombreux sur la table, mais il n'y a pas beaucoup de tirs. Ouais. Alors vas-y, tu vas nous expliquer ça. Donc, mais j'ai que 6 guerriers nécrons qui vont pouvoir tirer sur la Strike Squad là-bas. Ici, là. Vas-y. C'est sur 6 tirs sur du 3+. Ouais. Force 4 sur... Endurance 4. Donc sur du 5. Sur du 4. Sur du 4, pardon. Et il n'y en a qu'une seule. J'ai le droit à une relance parce que je suis Arakan. Donc ça en fera 2 à PA-1. Pour 1 bon, un dégât. Allez, PA-1 annulé grâce à mon courant d'ombre, ça restera une sauvegarde à 3+. Et c'est tant pis. Oh, le double 6, monsieur. Sympa. Ça va, hey, il ne faut pas nous dire. C'est cela, oui, oui, oui. La suite. On continue ma lourde phase de tir avec mon destroyer lourd Locust sur le Rhino là-bas. C'est parti. Donc c'est un tir sur du 3+, relance D1, ça touche. C'est force 10 en du 6. 7. 7, donc sur du 3+ également. Ça blesse, c'est PA-4 pour... Ouh, ça me fait que grâce au courant d'ombre, j'ai une sauvegarde malgré tout à 6. Et je vais jeter le dé par ici. Ah bah non, c'est raté. 3d3 dégâts dans ma mouise. 3d3, ça fait 3, 4, 5, 6, 7 PV. Tu pourrais y aller doucement quand même. Non. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Il te reste donc 3 PV sur ton rhino. Aïe. Après cette magnifique phase de tir, eh ben... Pas de phase de charge. Pas de phase de combat, et fin de tour au final, et 0 point de secondaire pour l'instant. Oh, un gros premier tour des nécrons, et on se retrouve tout de suite pour le tour 1 des Chevaliers Gris. Parce que Chevaliers Gris, c'est plus classe. On passe au premier tour des Chevaliers Gris avec Kixos et ta phase de commandement. Phase de coup, le premier PC des familles qui a regagné, je passe donc à 13. Et je vais juste faire ma litanie ici avec le chaplain, c'est la litanie d'expulsion qui passera sur du 3+. Et elle passe, ce qui fait que j'aurai +1 à tous mes castes, tous mes tests psychiques. Et ce sera tout pour c'est moi. C'est pour toute ton armée. Pour toute mon armée en aura autour de lui. Donc c'est à 6, donc là ce sera que pour Voldus, mais ça c'est toujours bien pour une petite action. Ok, et ben on se retrouve tout de suite après ta phase de mouvement. On se retrouve pour la fin de ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu as fait Kixo? Sur mon flanc gauche, j'ai débarqué l'escouade d'incursion, la Strike Squad, yes. Ici, sur l'objectif, à -3 pour pouvoir faire mon rituel
purificateur. Le Rhino, avec ses 3 petits PV, s'est avancé, a fait un mouvement d'advance en plus de 5, donc de 11, pour venir ici et se décaler, s'écarter de la Strike Squad pour éviter de lui péter les gueules. L'apothicaire ici s'est juste un tout petit peu avancé, pour rester avec la Strike Squad et lancer un sort avec eux. Ici, Voldus et le Chaplain sont restés ici pour faire leur sort aussi, et en plus j'ai une petite ligne de vue là-bas, on sait jamais, des petits tirs opportunistes. Ouais, comme dirait Walker. Le Razorback, marche arrière, il a pris une ligne de vue là-bas sur Destroyer avec ses canons laser, on sait jamais aussi. Le Cuirassé s'est reculé un peu, tant pis, ça lui fera une petite zone pour se déployer s'il a jamais le courage. Mais bon, au moins j'ai évité de prendre des tirs en plus. Et là, c'est pareil, la Strike qui était ici s'est avancée pour faire le rituel purificateur sur cet objectif. Ouais. Et on va pouvoir passer du coup à la phase psychique. D'accord, faisons comme ça. Phase psy des JK. On commence flanc gauche, premier rituel purificateur pour l'escouade d'incursion ici sur du 5. Ça passe, donc là, première action ici pour marquer des points. L'apothicaire juste à côté va lancer son sanctuaire sur l'escouade d'incursion qui leur donnera une invulnérable à 4, on sait jamais s'il y a une charge qui arrive. Sur du 7 c'est passé, c'était sur du 6. Bon jet. On rappelle que les GK n'ont plus le plus 1 pour caster. Là, Voldus va pareil faire cette action. Alors là, du coup, grâce à l'aura du chaplain, ça sera sur du 4. Et ça passe aussi. Du coup, deuxième objectif ici, purifié. Le chaplain ici ne lancera pas de sort puisqu'il ne connaît que le châtiment et le modelage du warp. Je n'ai pas d'intérêt à changer mes courants pour l'instant. Sur ce bord-là, pareil, un rituel psychique. Purificateur, hop, sur du 10, c'est passé. Troisième action de passé. Ici, lui, je vais quand même lancer un point d'acier au cas où que... Autour d'eux, je sais pas, mon copain Reed, il me déclare une charge et tout, j'aurais une petite relance à la blesse. Sur du 9, c'était sur du 5, ça passe. Et donc là, c'était un point d'acier sur le cuirassé Némésis. Sur le cuirassé Némésis, excusez-moi. Cuirassé Némésis, point d'acier qui permet une full relance des blesses en phase de combat pour l'unité qui l'aura lancée sur elle-même. Et bah, c'est parfait ça. Une belle et ce, phase ce de psy. Tout pour cette phase. Le fist d'acier. Le fist d'acier, comme dit. Non mais vas-y, il faut aller au bout de ta logique. Ah mais le fist d'acier, hein, Phase de tir du tour GK. Le Razorback va faire ses deux premiers tirs de Bolter Storm sur les squads de devant et les deux tirs de canon laser jumelé sur le Destroyer lourd là-bas avec un moins 1 à la touche. Parce que je passe à travers un couvert dense. Certes, que nous trouvons ici. C'est parti pour c'est les parti. Bolter Storm sur les guerriers Nécron. Sur du 3 plus. Un seul force 4 endurance de 5 grâce au buff, ça sera sur du 5. Et ça fera une blessure. 100 PA, monsieur, s'il vous plaît. Pas de PA, pas de bras. Bon, d'accord. Allez, une save à 4+. C'est tanké. C'est tanké. Les deux tirs de canon laser jumelés sur Destroyer sur du 4+. Ça fait une touche. Force 9 endurance 5. C'est sur du 3+. Et c'est raté. Les derniers tirs seront du chaplain ici, pareil sur les guerriers devant, ça sera 4 tirs sur du 4+, ça ne fera qu'une touche, force 4 endurance de 5 sur du 5+, et ça fait rien du tout, et ce sera la fin de ma phase de tir. Et ça c'est beau. Ah, les gars, vous êtes pas là pour, vous êtes pas venus là pour vous faire du mal, hein. On non, sent que... C'est bisous caresses. On sent qu'ils s'aiment bien les gars, on sent que... Voilà. J'amour les fesses. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Ça sera aussi la fin de la phase de charge, la fin de la phase de combat, la phase de morale aussi, donc fin du tour 1. Copier. En revanche, tu marques des points. Et par contre, moi, je marque 4 points, monsieur, parce que j'ai fait 3 actions psychiques. Excusez-moi. Là, monsieur, tu vois, moi, je commence fort, tu vois. Eh ben, mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende. Donc, le rituel psychique, encore une fois, c'est des actions psychiques qui se font sur du 5. Pour chaque point fait... sur la carte, pour un point c'est un seul point, pour deux points, à partir de 3 on marque 4 points et à partir de 4 ou plus c'est 6 points au tour à la fin du tour. Étant joueur 2 c'est très avantageux. Yes, et bien on se retrouve tout de suite pour le round 2 et le tour 2 des Nécrons. Début du round 2 et du tour 2 des Nécrons, et là, hop, un petit point de commandement, ça t'en fait un paquet, là. Ça m'en fait 11. Je vais revenir à 12, comme ça aurait dû être en standard, au final. protocole de commandement, je vais prendre le protocole Astre Vengeur, et sur des jets 6 non modifiés, je vais améliorer la PA de 1.
pour les unités à 6 pas d'un personnage. Yes! Pas ouf, hein, mais bon, c'est pas mal. Pas ouf, mais c'est toujours ça. Le tétrarque va utiliser que ma volonté s'accomplisse sur les guerriers Nécron ici, donc ça, ça va pas changer. Et sur ceux présents ici. Yes! J'ai pas besoin de faire d'aptitude mécanique, de rite de réanimation, pardon, parce que j'ai pas eu de perte. Et ensuite, eh ben, on va passer à ma phase de mouvement. Avant de commencer ta phase de mouvement, on va quand même parler des 10 points de primaire que tu vas marquer. Bah ouais, bah oui. Faut quand même scorer, on est là pour ça. Donc ouais. Je marque 10 points de primaire parce que j'ai 3 objectifs, sachant qu'il en faut 2 pour marquer 5 points. Exact, et tu n'en as pas plus que ton adversaire. Pas qui en a 3. On se retrouve après ta phase de mouvement. J'ai reculé un petit peu les immortels ici, et là j'ai fait une ligne pour repousser vraiment en FEP. Mm-hmm. Mes gars et les cons qui sont à gauche se sont décalés également pour prendre des lignes de vue. S'il y en a quelques-unes, oui, je sais jamais. Ça devrait aller. Ici, je les ai déplacés un petit peu vers l'avant pour essayer de tirer un petit peu sur ces seigneurs là-bas. De ce côté-là de la ici. Table, j'ai mon destroyer lourd, le cast ici, a pris une petite ligne de vue sur Voldus. Donc il aura moins 1 pour toucher à cause du décor. Mes destroyers Scorpex se sont mis dans la ruine. On va temporiser encore un petit peu pour le moment. Mm-hmm. Le seigneur n'a pas bougé. Et le destroyer lourd derrière est revenu un petit peu derrière la ruine pour également bloquer les fêtes de ce côté-là. En parlant de fêtes, tu n'en fais pas à ce tour-ci? Non. Tu attends, tu es malin. Et j'attends un petit peu, on va temporiser. Hein. Pour finir, je vais utiliser augmentation mécanique sur les factionnaires. Donc on va jeter un petit D6. Ça sera 6. Ça servira complètement à rien parce que c'est plus un en CT. Et comme il ne tire pas, c'est malo. Enfin, une fois que je suis un 6. Ouais, ouais, c'est dommage. C'est dommage. Putain, franchement, c'est dommage. Bon, on va passer à la phase de tir. On fait ça. Parce que ça leur donne pas de pouvoir de sort. Non, 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 ils ont toujours pas de psy, ça. C'est dans le cul, la balayette, t'es manche avec. Pour ma phase de tir, je vais prendre les 12 guerriers qui ont une visibilité sur les escouades d'incursion. C'est bien ça. Oh, bon. Je vais utiliser condensateur de désintégration qui fera que sur les 6, je vais blesser automatiquement. Et offensive implacable, presque bien, implacable, bien. Qui fera que sur un jet de touche de 6, je vais causer une touche supplémentaire. Yes! Les 12 tirs, c'est sur du 3+. 4+. Pardon, 2+, 3+. Les 12 tirs, c'est sur du 3+, parce que plus 1, moins 1, ça annule. 1, 6, donc une blesse auto et une touche supplémentaire. C'est force 4 en du 4. C'est ça. C'est sur du 4. J'ai le droit à une relance parce que Zarekan, qui ne fera rien. Et donc ça fait 7 saves à perdre, moins 1. Donc celle-ci perd moins 1, plus 1 parce que je suis dans le couvert, ça fait sur du 3. Ça fait que j'en ai déjà un de mort. Et là, la paix à moins 2, ça fait sur du 4. Et du coup, j'en ai un autre qui perd un PV. Donc un mort et un avec un point de vie en moins. J'ai 6 guerriers Nécron qui vont tirer sur le rhino là-bas. Sur du 3+, le moins 1, c'est quand je suis entièrement dans un couvert. C'est pas, j'ai pas fait de 3. 4 tirs qui passent. C'est de la force 4 contre le long du 7. Oui. Donc, c'est sur du 5. J'ai le droit à une relance. Ça en fait 3. Mec, il est insolent quand même. Avec une PA-2 et deux PA-1. Allez, 2 save à 4, aucune, save à 5, rien du tout. Allez, je perds 3 points de vie ici. Il reste 7 points de vie pour Azorbach. On continue cette série de tirs sur le chaplain. Vas-y. Les 8 guerriers Nécron restants qui vont tirer sur du 3 plus 1 moins 1, donc toujours sur du 3. C'est force 4 en du 4, donc c'est sur du 4. Et j'en ai une seule qui passe. La PA-1 est annulée grâce à sa cuirasse de sacrifice, qui fait que je reste à 2+. Et c'est tanké. Tu restes même à 0+, en fait. Alors, exactement à 0+, mais un 1 reste toujours un échec, effectivement. Ouais, c'est pas faux. Le destroyer lourd Locus qui est ici va tirer sur Voldus. Il aura moins 1 pour la touche. C'est sur du 3+, relance des 1, heureusement. Eh bah, ben, ça passera pas. Mais y a rien du tout. Je... Donc, tu si ne relances pas une relance. Je vais claquer un petit PC. Ah non, on peut pas.
Donc 1 plus relance, PC, bang bang, point de commandement, mais normalement au bout de 6, ça passe. Et en plus, même pas sur les 3, sur les 4. Le courant des ongles. Bien vu. Ouais, bref. Bref, ça passe pas. Ça passe pas. Ah bah voilà! C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons! Le Seigneur Scorpec va tirer sur le Rhino, donc c'est 2 des 3 tirs. Donc ça fait 4 tirs. On va toucher maintenant sur du 2. Quand même. Ça touche. Force 6, en sur du 5. Sur du 5. J'ai le droit à une relance, enfin relance native. Ça touche pas. Donc ça fait 2 blesses, enfin PA-1. PA-2, pardon, excuse-moi. Et grâce au courant des ombres, je reste avec une sauvegarde à 4+. Et je perds donc combien de PV? C'est un PV. Et ben je perds un PV en plus, il m'en restera 2. Si, c'est tout ce que vous pouvez faire. Est-ce tout? Tout ce que votre magie peut faire, Saruman? Il me reste à tirer mon destroyer lourd ici, qui va tirer également sur le Rhino. Donc c'est un tir qui va toucher sur du 3. C'est force 10 en du 7, c'est sur du 3 et ça blesse pour de la PA-4. Grâce au courant des ombres, j'avais plus un ma save, ça me fait une save à 6. C'est le moment de faire un 6, ce que je ne fais pas. Je t'en prie, je crois qu'on peut direct lancer le dé parce que 3d3 dégâts. Non, juste pour le plaisir, franchement. Juste pour le plaisir. Fait vraiment plaisir. 2d3. On sait jamais, 7 voilà. Dégâts, voilà. Comme tout à l'heure. T'as gâché le 6. Est-ce que pour le fluff il explose? Eh ben il explose. Oh là là, mais bon, comme je suis à plus de 6, je pense que c'est bon, je ne me ferai pas de. Bien joué, l'avoir mis à plus de 6 et boum. C'est la fin de ma phase de tir, c'est la fin de ma phase de charge et de combat également, parce qu'il n'y en a pas. Et donc à la fin de mon tour, je vais scorer 4 points de éliminer la vermine, parce que j'ai 2 quarts de table où je n'ai personne de Great Knight. Voilà, ni là, les chevaliers gris ne sont présents. Et oui, à la fin de ton tour 2, donc ça te fait 4 points, et est-ce que tu marques autre chose? Non. Non. Eh ben, c'était plutôt un bon tour pour les Nécrons, et on se retrouve tout de suite pour le tour 2 des chevaliers gris. Début du tour 2 et phase de commandement des Renite. Déjà, je vais marquer 10 points de victoire pour les 3 points que je tiens dans mon camp. Donc, je vais juste les montrer. Donc, ici, sous la ruine, je tiens un point. Celui-ci, je le tiens encore. Et celui-ci aussi. Fort. Normalement, je regagnerai un point de commandement, mais je vais être un peu coquin. Je vais claquer un petit stratagème. Le bombardement d'artillerie psychique, qui va me coûter 3 PC. Je vais poser un point sur la table. Et si au début du prochain tour il est encore proche de ce point, enfin toute unité, même les miennes d'ailleurs, on va prendre de la BM. Et ça va être très bon, donc je sais déjà où je vais le placer, mais ce sera la surprise, ce sera là-bas. D'accord, là-bas okay. C'est... Là-bas c'est ici au milieu de tous ces petits destroyers. Par exemple. Il y a un truc qui va se passer par là. Et la dernière chose à dire, c'est que je vais lancer ma litanie d'expulsion en aura, donc sur mon chapelain, qui me permettra un full jet, relance des jets de touche à la phase de combat, donc c'est sur du 3+, et ça passe. En aura, j'aurai plus 3, enfin relance de tous mes jets de touche, pardon. Nous rappelons que tu as fait un 6. Oui. Nous ne l'avons pas vu. Excusez-moi. Coquin, tu le lances toujours là où trop rapide. Pas. Ok, bien on se retrouve tout de suite après ta phase de mouvement. On rappelle que tu as quand même gagné un PC, hein, oui, mais que tu en as dépensé 3, donc en fait, tu en as, ça t'en fait 2 en moins. C'est ça. Ok, on se retrouve tout de suite après ta phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement. Mon cuirassé Némésis est venu se placer ici. Pour prendre un maximum la table, commencer à tirer, et puis après on va aller essayer de déblayer un grand coup d'épée là-dedans. Mm-hmm. L'escouade d'incursion, c'est juste bouger un petit peu pour essayer de prendre le moins de tirs possible en se mettant dans la ruine ici. On va continuer les actions psychiques. Le Razorback a bougé un tout petit peu après avoir fait débarquer cette escouade d'incursion pour avoir encore une ligne de vue sur le destroyer là-bas avec les canons laser. L'escouade d'incursion a débarqué et a fait juste un mouvement normal ici pour venir mettre les pieds à 3 points du centre de l'objectif pour faire encore une action psychique. Voldus s'est mis ici pour être à 18 des guerriers ici, pour éventuellement faire des sorts avec des points de commandement. Mon chapelain du coup avait laissé la place ici pour que l'escouade d'incursion puisse se placer. Qu'il est malin ce chapelain. Ici aucun mouvement de l'escouade d'incursion, il reste ici pour le moment, même si ça fait une zone où il peut arriver avec ses dépeceurs, on va voir ce que ça fait. L'apothicaire qui est ici est venu faire un sprint pour aller jusqu'ici pour se mettre aux fesses des paladins qui eux sont arrivés de la frappe en téléportation. Excusez-moi. Donc 3 ici, le doyen paladin et encore 3 là-bas pour essayer de tenter des charges au maximum sur les destroyers devant eux. On se retrouve tout de suite pour ta phase de psy. Yes, allez c'est parti. On va passer sur les paladins qui sont tout à gauche.
Les premiers, tout à gauche, vont lancer le point d'acier, qui leur permettra une full relance des jets de blessures au combat. Donc c'est sûr du 5 pour le moment. Et ça passe. Tranquille. Facile. Dans la foulée, le doyen paladin va lancer l'amplification empyréenne sur ces petits destroyers, ce qui feront qu'ils auront plus 1 en dégâts sur les attaques de combat par les armes Némésis. Et c'est sur du 7, donc ça passe. Donc j'étais à 7. Impeccable. Les deuxièmes paladins ici vont aussi lancer un point d'acier, cette fois-ci sur du 6. Ça passe encore une fois. Donc encore une fois, Attendez, je crois que quelqu'un veut parler. Vas-y, je vais claquer un petit PC. Lâchez-moi. Il n'y a pas de quoi s'exciter. Je vais claquer un petit PC. Et sur du 4+, je vais annuler ton dernier sort. Point d'acier, reçu. Excusez-moi, c'est pas passé, c'est un 1. L'apothicaire ici va lancer Sanctuaire sur les paladins juste devant lui. Hop. Ouh, le péril. Non, je le modifie pas. Ils auront une invulnérable à 4 et du coup ça me fera des 3 BM. Une seule BM. Est-ce que sur du 5 je l'annule? Et c'est annulé. Très bien. Oh, voilà. Oh là 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 là, le grand chat. La chatte amiraille et le grand chelem. Qu'est-ce que vous nagez bien, cher? Oh là! Dans la foulée, l'escouade d'incursion ici va lancer son rituel psychique. Donc, rituel de purification exactement, c'est sur du 5, donc ça passe. Premier sort lancé ici. Ok. Dans la foulée, le chapelain va lancer son modelage du warp, qui passe sur du 4. Eh ben, il en fallait pas moins. Donc je vais changer mon courant d'ombre, qui va passer en courant de célérité. Yes. Ce qui fait que tous les jets d'advance et de charge de 1 et 2 se transforment forcément en 3. Ok. Donc là, avant d'utiliser Vodus, je vais utiliser 2 points de commandement. 1 pour augmenter ma portée de psy de 6 pas, et le deuxième pour lancer un D6 supplémentaire sur mes sorts. Waouh! Du coup, ça fait que là, je vais faire deux choses. Le premier, c'est le portail d'infinité sur le mont chapelain pour qu'il se déplace. Donc c'est sur du 7. Il en fallait pas moins, ça passe. Donc le chapelain va se déporter. Ici, on avait mesuré à 9, ça passe. Le deuxième sort, qui sera un vortex funeste. Voilà pourquoi la portée de 6 a été augmentée. Pour atteindre à 18, c'est guerrier ici. Donc c'est sur du 7. Et ça passe encore une fois à tout limite, mais c'est nickel. Du coup, ils vont prendre 2 des 3 blessures mortelles. Et ça fera 5 blessures mortelles, monsieur. Ah ouais, 5 feel no pain pour le monsieur parce que c'est un Zarekan. Ah ouais, non mais là il est. Là on a quand même un vrai sorcier GK quoi. Un vrai sorcier GK et là le Nécron hein, il fait pas son mal. Hein. On va essayer d'annuler les BM. Hein. On en annule 2, on en prend 3. C'est pas mal. Et on en prend 3. Et voilà, ça fait 3 morts. Pas de protocole parce que c'est des BM. Ce tombeau sera votre tombeau. Ah, pas mal ça. Hein? Et quitte à rentabiliser tout ça, on va dépenser un PC supplémentaire pour faire un sort supplémentaire avec Voldus. Et ça sera juste un petit châtiment. Et toujours sur du 3D. Et ça fait du 7, ça fait juste des 3 BM. Et ça fera qu'une BM supplémentaire. Est-ce que mon copain va l'annuler? On va essayer ça. Sur du 5. Et un PC rudement utilisé. Oui, monsieur. C'est pas grave. Je tiens à préciser que c'est moi qui ai eu l'idée et que, bon, du coup, ça a lamentablement foiré. Mais je pense que l'idée restait bonne. Oui. Il faut quand même préciser que tu lances 3D, mais que tu gardes les deux meilleurs pour tes sorts. Hein. D'accord. C'est pas cumulatif des 3D. Non. L'escouade d'incursion ici va lancer, pareil, un rituel psychique. Sur du 5, je sais pas si tu vois. Là, je vois. C'est tout passé, c'est tout bon. Et dans la foulée, pareil, ceux-ci vont lancer le même rituel psychique sur du 5. Et c'est un... Là, c'est un péril. Ça peut se relancer. Ça peut se relancer. Sachant que ça monturait au moins un. Pam. Je le relance. Et là, ça me coûtait cher. On va falloir arrêter. Allez, on le relance pour éviter de perdre tout. C'est mieux. Donc, du coup, plus de péril. Et mon rituel passe ici. Donc, ça te fait déjà 4 points sûrs à ce tour. Et ça, c'est plutôt très bien joué. C'est ça. Et le dernier sort qui sera ici, un dernier châtiment sur ces guerriers-là, qui sera sur du 6. Et 12 points! Bon bah là je peux plus relancer quand même hein. Non, bah, donc c'est ça pas fera grave. Les 3 BM pour ma pomme. Alors ça fera 2 BM pour moi. Est-ce que je les annule? Sur du 5 j'en annule une. Et dans la foulée ce sera des 6 blessures mortelles pour les guerriers. Et ça fait 2. Je ne peux pas relancer, c'est déjà fait. Est-ce qu'on va annuler ça sur du 5? Absolument pas. Donc ça me fait 2 morts.
Buzz l'éclair à Star Command, est-ce que vous me recevez ? Fin de la phase psy. On passe tout de suite à la phase de tir. Début de ma phase de tir. Les trois premiers paladins ici vont tirer sur le destroyer du fond. Les trois paladins d'ici tirent sur ce destroyer qui est là. Et ça fait 12 tirs. Sur du 3+. Ça en fait 5 qui ratent. Force 4, endurance plus, c'est sur du 5. C'est sur l'endurance de 5 si je dis pas de bêtises. Donc ça fait 3 sauvegardes sans PA s'il te plaît. 3 sauvegardes à 3+. Il y en a 2 de ratés. C'est combien de dégâts chaque fois ? Un seul dégât. Moi je prends. 2 PV pour le destroyer. Les 3 autres paladins vont tirer sur le même destroyer. Ça fera 12 tirs sur du 3+. Ça fait que 5 touches. Force 4 sur endurance de 5, c'est sur du 5+, et ça fait qu'une seule blesse sur le destroyer du fond. Putain, c'est pas terrible. Une save à 3+, c'est tanké. Le chaplain, ici, va tirer sur l'autre destroyer, puisque c'est le seul sur lequel il a une ligne de vue, donc ça sera sur du 2+. Force 4, endurance de 5, c'est sur du 5+, et ça fait 2 sauvegardes sur le deuxième destroyer. Pas de PA. Pas de PA toujours. Pas de PA. 2 save à 3, une de ratée, tu prends un point de vie. Papa Voldus, c'est 4 tirs d'opportunité sur les guerriers devant lui. Ça sera sur du 3+, puisque moins 1 la touche. Force 4 sur endurance de 5, c'est sur du 5, et ça ne fait rien du tout. Dans la foulée, l'escouade d'incursion derrière, qui va faire ses 8 tirs, puisque celui derrière n'a pas de ligne de vue. Ça sera sur du 4+. V 3 touches, force 4 sur endurance de 5, sur du 5+. Et ce sera uniquement 2 blessures sans PA, monsieur. 2 save à 4+. Et c'est tanké. Et toc, remonte ton slibar, Lothar. Le Razorback ici présent va tirer avec son Bolter Storm sur les guerriers et son canon laser sur le destroyer du fond. On va commencer par le Bolter Storm, ça laissera 2 tirs sur du 3+, puisque là j'ai pas le moins 1 à la touche. Force 4 sur endurance de 5, ça sera sur du 5+. Ça fera 2 save normal pour vous, monsieur. Go. Sur du 4+. Ah bah il était temps quand même que t'en perdes un. Protocole. Protocole, il y a... Relance D1. Et non. Ah bah très bien. Enfin un. Enfin un quand même. Ouais, on a tué un écran. Dans la foulée, le canon laser sur le destroyer devant la ruine ici. Ce sera un moins 1. Ce sera un moins 1 effectivement. Donc là ce sera sur du 4+. Et ce sera rien du tout pour le canon laser. Ah dommage. Nope. Nope. Vous n'êtes pas encore prêt, petit scarabée. Il faut t'entraîner dur, hein. Très dur. Bien. Le petit, ici, de l'escouade d'incursion, va faire ses 2 tirs de Bolter Storm sur les guerriers. Ça sera 2 tirs sur du 3+. Force 4 sur Endurance 4 cette fois-ci. Sur du 4, ça ne fera rien. Et on finira par les 12 tirs d'Expurgateur Gatling sur les guerriers ici. C'est plaisir. Donc là, ça sera sur du 3+. C'est quoi ce jet de merde. Lance. Et... Je fais ce que je peux. Hein. Force 5 sur Endurance 4, ça sera sur du 3+. Ça fera 3 saves, à PA moins 1. Donc 3 save, je vais les mettre sur ceux qui sont dans la ruine, donc ça passe à 3+, mais moins 1, on reste à 4. Chien ! On veut moins malin maintenant ! Hein ? On fait moins malin ! Arrêtez, c'est bon. Sinon ? Tranquille. Et ben ça va sonner la fin de ma phase de tir, hein ? Hein ? Et on va passer à la phase de bang-bang, pardon, de charge. Et là, je vais être sanctionné. On passe à la phase de charge des chevaliers gris. Et je vais claquer un puissant PC. Pour le stratagème lanceur d'assaut, je vais lancer l'assaut avec mon chaplain ici sur les destroyers. Donc mon ennemi a deux solutions, soit il se cramponne et il prendra des 3 blessures mortelles, soit il choisit de plonger à couvert mais il perdra une attaque et il pourra ni préparer sa défense ni faire un état d'alerte. Qu'est-ce que tu choisis ? Je me cramponne, je prends des 3 B. Et ben, il essaie, il y va, des 3 B, attention ! Et ça fera une pute, c'est moche. Quand on n'a pas de chagat, on n'a pas de chagat. Est-ce qu'on va annuler la petite DM sur du 5+ ? Ah, non, dommage. C'est dommage. Ça y aurait bien mis le stun, je pense. Première charge avec mon chaplain sur les destroyers, ça sera sur du 9. Ouh, c'est du 11, ça passe large. Donc là, on va venir le caler à ras la ruine, étant donné qu'il n'est pas à plus de 1 de la ruine ici. Les 3 paladins ici vont lancer la même charge sur les destroyers. Ça fait sur du 9 plus 1, même sur du 10, ça passe largement. Aisément, je dirais. Le doyen paladin, même charge. Ça fait que ça se transforme en un 3 grâce au courant de célérité, ça fait 9, 10. Et même à 10 plus 1 grâce au chaplain. Au chaplain. Ah, ça c'est bien, c'est excellent. Excellent. En fait, avec ça, t'es sûr de réussir une charge à 9. Ça va être bien.
et les derniers paladins qui vont lancer eux aussi une charge sur les mêmes destroyers. Là, ça remplace 6 à 7, ça ne passe pas. C'est là que je claque un petit PC pour tenter de réussir maintenant. Et ça ne passe pas. Ces 3 restent dans la pampa. Ça te fait 4, 3, 7 et un 8. Et non, ça passe pas. On se retrouve tout de suite pour le combat. Il n'y aura pas d'autres charges, je pense. Non, malheureusement, on est trop loin. Je vais utiliser un stratagème donc, qui s'appelle Assaut Tourbillonnant, ce qui fait qu'il va avoir plus 1 pour me blesser sur mes destroyers Scorpec. Oui, enfin moins 1, mais c'est pareil, on a compris le concept. C'est parti donc pour 10 attaques d'abord. Je vais commencer par les 10 attaques d'Albard des Paladins qui toucheront sur 2 plus, relance des 1. Ça devrait aller. Eh ben non, j'étais quand même un petit. Donc 9 touches. Fait 9 touches. On a pas que t'as fait des 6 dans tous les sens, dommage que ce ne soit pas des blesses auto. Ça aurait pu être bien avec un autre courant. Donc force 6 sur endurance 2-5, ça sera sur du 3+, et c'est full relance, puisque j'ai passé le point d'acier tout non, à l'heure. Ça sera sur du 4+, puisqu'il te met moins 1. Ah, 4+, effectivement, merci de me le rappeler, 4+, full relance. Et ça fait et tiens. Ça fait 8 blesses pour l'instant, AP à moins 2, pour 3 dégâts, puisque l'amplification empyrienne est passée, oui c'est ça. Nous avons analysé leur attaque, et je crois qu'il y a un danger. Oui. PA-2, ça te fait une save à 5, c'est parti, chaque échec, ça fait un mort. Allez, on y croit. Donc ça me fait 5 morts, donc une IP, unité et YP. Tu perds aussi ton petit bonhomme. Je le perds aussi également, parce que s'il n'est pas à portée au moral, il s'en va automatiquement. Alors on rappelle ce qui s'est passé, tu fais donc 9 attaques. Enfin, tu fais 10 attaques, t'en réussis 9, c'est 2 plus relancer 1. Après, tu touches sur du 4+, normalement 3+, mais 4+, puisque t'as moins 1. Mais c'est full relance grâce à point d'acier. À point d'acier, c'est particulièrement bien joué. On rappelle que t'as eu 1 plus 1 ici. Et plus une attaque grâce au doyen à sa portée d'aura, à la portée de la bannière. Ouais, c'est assez efficace. Hein. Et la full relance vient justement de la litanie d'expulsion qui vient du chapelain qui est ici. Voilà, donc tu te retrouves à faire 9 touches, tu te retrouves à faire 8 blesses avec la relance à 4+ quand même, et là, PA-2, donc ça te fait une sauvegarde à 5 pour, ça fait une sauvegarde à 5 pour C4, pardon, et là c'est dégâts normalement 2, mais 3 parce que tu as passé le sort avant. Amplification empyrienne qui ajoute 1 aux dégâts des armes Némésis. Et voilà un combo particulièrement bien joué qui vient de détruire combien de points? Bonne question. Beaucoup. 190 points de Destroyer Scorpec qui viennent de partir en fumée. Voilà, il faut le rappeler, avec 2 paladins. Les deux là. Ouais, le sergent n'a pas eu le temps de taper. Le sergent n'a pas tapé et les autres non plus. Non, mais c'est pour dire que 2 paladins, c'est quand même costaud quand même. Hein. Bon, et ben c'est très bien joué en tout cas. Et on va continuer la phase de combat. Après les mouvements de consolidation et mouvements d'engagement. Mouvement de consolidation ici qui te permet de mettre un petit pas sur le point. Et ensuite, on a vu notre cher paladin qui a bravement traversé la ruine avec 3 pas d'engagement, puis 3 pas de consolidation vers l'unité la plus proche, à savoir le destroyer, pour le loquer, le locust. Yes. Et je dirais juste que c'est le chapelain, pas le paladin, mais c'est pas très grave, de toute façon ils ont tous la même gueule avec leur armure Terminator. Oui, pardon, excusez-moi, c'est bien le chapelain. Allez, c'est parti pour les attaques donc du Destroyer Locust. Donc 2 attaques sur du 3+. Une seule qui passe. Force 4. Endurance. Ouh, 4. Un petit 6. Un petit PV de la honte. Est-ce que je vais perdre mon PV sur du 2+? Et non, c'est tanké. Ah oui, il a fait un 6, il avait besoin d'un 1, on le rappelle. Et ben c'est parfait, ceci sonne la fin de la phase de combat. On va tout de suite passer à la fin du tour de nos amis les Chevaliers Gris. Fin du tour 2 des GK dans la fournaise du studio. Il fait super chaud aujourd'hui. Pourtant, il fait pas très beau dehors, mais il fait super chaud. Et t'as maximisé, on va dire. Yes, je suis bienvenu à pâter le flanc gauche que j'avais fait croire que je désertais. Ce qui fait que, vu mon positionnement, je serai sur tous les fronts 2 points grâce à ce front-là et les deux chez moi. Et je marquerai 4 points de rituel purificateur grâce à mes 3 actions chez moi sur les 3 points ici. On rappelle que tu as pris pas de prisonnier et que donc tu as commencé à bien scorer ce pas de prisonnier puisqu'en tuant déjà 3... 5 destroyers à 3 PV plus 6 guerriers ce tour-ci plus 1 qui s'est relevé, donc ça commence à faire monter les chiffres. C'est pas mal. On se retrouve tout de suite pour le tour 3 des Nécrons qui doivent surprendre.
Début du round 3 et début du tour 3 des Necrons de C4. Tu regagnes un puissant PC. Yes. Ensuite, mon protocole pour ce tour-ci, donc vu que je suis Arakan, je vais bénéficier des deux directives, vu que c'est le protocole de Légion Impérissable. Donc mes unités qui ont perdu des PV avec métal organique vont récupérer 2 au lieu de 1. Et j'aurai le droit à une relance de protocole de réanimation avec un dé. Yes! Tu vas aussi donner que ma volonté s'accomplisse. C'est ça. Donc sur l'unité de guerrier ici et sur les factionnaires qui sont dans la ruine. Ouais. Tu regagnes quelques points de vie. Donc mes deux destroyers lourds Locust repassent full effectif, enfin full PV plutôt. Ça va. Ça va. Je vais également scorer 5 points de primaire, n'ayant plus cet objectif vu qu'il est contesté. Il m'en reste que ces deux-là, donc 5 points de primaire. Ok, et on se retrouve tout de suite après ta phase de mouvement. À la phase de commandement, tu fais aussi ton rite de réanimation qu'on avait oublié avec l'illuminateur Zeraste. Sur cette unité-là, oui, c'est bien ça. Donc je lance un dé, et ça me fait une figurine qui revient. Alors, fin de ma phase de mouvement. On va commencer sur le côté gauche. Mes guerriers se sont légèrement décalés pour prendre la ligne de vue sur le cuirassé sans avoir le malus. Les immortels seront aussi sortis de derrière la ruine pour prendre une ligne de vue. Mes factionnaires sont sortis de la ruine dans l'éventualité de charger Squad. Dans l'éventualité de faire un truc un jour dans cette partie. C'est ça. Yes. Le Tétrarque et Luminor qui sont derrière se sont juste un petit peu déplacés dans la ruine en restant en bulle. Mes guerriers Nécrons ici sont revenus un petit peu sur la gauche et restés en pack pour avoir une ligne de vue là-bas et être à portée de tir. Une ligne de vue, on le rappelle, sur les paladins sur les qui paladins. Sont là. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Les immortels ici se sont un peu déplacés en cordon, en gardant l'objectif et en ayant trois personnes qui peuvent éventuellement tirer sur le paladin. Mm-hmm. Ici, mon destroyer lourd Locust s'est désengagé. Celui-là est arrivé de ma droite pour venir ici et pouvoir tirer sur son chaplain qui est l'unité la plus proche visible. Le Senior Scorpex s'est décalé pour pouvoir tirer et ensuite charger. Et pour finir, on a les dépeceurs qui sont arrivés grâce à la translocalisation dimensionnelle. Un pack ici et un pack là-bas. Tu peux le redire s'il te plaît ? Translocalisation dimensionnelle. J'adore ce mot. Il a vachement bossé. Eh ben c'est parfait, on se retrouve tout de suite pour la fin de ta phase de mouvement. Et donc là, tu vas faire quelque chose ? Oui, avec Illuminor Zeras, je vais utiliser encore aptitude mécanique sur cette unité que je n'ai pas encore boosté, buffé. Donc ça sera 3, ce sera plus 1 en endurance également. Ouais, là t'aurais préféré plus 1 au tir, mais bon. Oui, mais bon après, c'est jamais sur quoi ça va tomber. Hein. Mais c'est comme les boîtes de chocolat. Allez, on se retrouve tout de suite pour la phase de tir. Première escouade à tirer, c'est mes 12 guerriers Nécrons qui sont ici, qui vont tirer sur le cuirassé, Némésis. Mm-hmm. Donc ça va être 12 tirs sur du 3+. C'est de la force 4. Sur l'endurance 10. C'est sur du 5. J'ai le droit à une relance, donc je vais en relancer une. Non, donc 4 blesses, ça perd moins 1. Sauvegarde à 3+. Et ça fait, c'est pas beau, je perds 3 points de vie. Je passe donc à 9. Les 5 tirs d'immortel sur le cuirassier Némésis aussi. Qui est toujours là. Sur du 3+. C'est force 5 en du 7. 6. 6, pardon. Sur du 5. Une relance. Et non, ça fait 2 blesses, ça perd moins 2. Allez, sauvegarde, invulnérable. À 4. Bon voilà, c'est oh, en fait. Tranquille. C'est bien. Oh, c'est mérité. Faux cul. On va ensuite passer sur ma deuxième troupe de guerriers Nécrons ici, qui ne sont plus que 10. Pour cela, je vais claquer 2 PC pour le condensateur de désintégration et l'offensive implacable. Yes. Donc, sur les 6, ça sera blesse auto et touche supplémentaire. Ok, tu vas donc tirer sur les paladins qui sont ici. Tout à fait. Donc ça me fait 10 tirs qui vont toucher sur du 2+. S'il vous plaît. Un 6, donc une blesse auto plus une touche supplémentaire. Donc c'est comme si j'avais fait un full. Ensuite, c'est force 4. Endurance 4. Sur du 4. C'est un petit peu moins joli. On a quand même une relance. Donc ça fait
4 saves à perdre moins 1. 5 même, je dirais. 5 saves, pardon, j'avais oublié celui-là. Allez, 5 saves à 3. Ah, ça fait 3 PV, j'en ai un qui va décéder. Ce sera celui-ci. Ah ah, sire, je vous attends. À moins que vous préfériez qu'on dise partout que le roi est une petite pédale qui pisse dans son froc à l'idée de se battre. J'enchaîne avec les immortels, donc lui est à mi-portée, il va tirer également sur les paladins. Lui aura 2 tirs, et ensuite il y aura 2 tirs supplémentaires pour les figurines présentes ici. Donc ça sera sur du 3+. C'est de la force 5 sur de l'an du 4, donc ça sera sur du 3. Une relance. C'est trop facile. Ça fait 2 saves à paire moins 2, pour un dégât. 2 saves à 4. Ah, je repère un petit PV. Sauvegarde à 3+, parce que tu as une 1+ dans la ruine, donc c'est un PV sur ton sergent. Ensuite, c'est au tour du destroyer Lurlocus qui va tirer sur la cible visible la plus proche, donc le chapelain qui est dans la ruine. C'est sur du 3+, ça touche. C'est force 10, c'est sur du 4. 3. C'est du 2 même. Du 2, ça blesse, heureusement. PA moins 4. Moins 4, je vais être sur mon invulnérable à 4. Faut que ça rate. Et c'est tanké. Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Monseigneur Scorpel qui va tirer sur le paladin ici, donc c'est 2 des 3 tirs. Ça fait 4 tirs. Touche sur du 2+. J'ai droit à la relance des touches. Ça va. C'est full touche. Force 6 en du 4. C'est sur du 3. J'ai droit à la relance des 1. Et j'ai le droit à la relance, vu que je suis Zarekan, d'une relance. Enfin, j'ai droit à une relance, pardon. Donc c'est full bless. C'est PA moins 1 pour un dégât. Donc un plus 1 moins 1, bah je vais rester sur ma 2+ alors. Ça va être. Je vois pas. Oh, c'est parfait ça. On ne tue pas un paladin empereur, monsieur. Alien devant nous, on se déploie. Eh bien en fait il n'y a pas d'autre tir, donc on passe tout de suite à la phase de charge des Nécrons. Car oui, les Nécrons chargent. On va commencer par les factionnaires qui vont essayer de taper la Strike Squad. Ouais. C'est une charge à 6. Bon bah c'est une charge à 6, c'est un petit 12 hein. Hasta la vista, baby. La charge réussie à 12 des factionnaires. On rappelle que tu avais préparé ta défense, que les GK avaient préparé leur défense, et donc ils toucheront sur du 2+. Les 5 dépeceurs vont essayer d'attaquer les squads d'incursion, donc c'est une charge à 9. Ça ne passe pas, je vais la relancer pour un PC. Ou alors les dépeceurs. Non, ben toujours non. Pas. Toujours pas. Ils vont rester dans la pampa, il n'y en aura plus la semaine prochaine. Bon, alors là, les mecs, ils sont là, ils sont en train de tourner en tour et de bouffer de l'herbe. Ils sont cons à bouffer du foin. La deuxième unité ici va charger. L'apothicaire de confrérie. Voilà, sur du 9 aussi. Et bah, ils vont rester là. Sire, mon père est peut-être unijambiste, mais moi, ma femme a pas de moustache. On continue les charges des Nécrons avec la charge ici de ton... Destroyer, de mon Seigneur Scorpec, pardon, sur le chapelain. On voit pas, mais il est juste là. Allez. C'est un 10, ça passe. Ah, il est coquin, il se met de ce côté-là, il est coquin. On va essayer de rester en dehors de... des 6 pouces. Non, ça va pas être facile. Hein. Bah, je me mordrai pas l'objectif. Ouais. On passe maintenant à la phase de combat. Donc on va commencer par le Seigneur Scorpec ici sur le chapelain. Donc le Seigneur Scorpec a 4 attaques, je vais utiliser son plus gros profil. Donc il aura moins 1 pour toucher, donc il va toucher sur du 3. Il y a un 2 et un 1, donc je relance une touche. Toujours pareil. C'est de la force à 8 contre de l'an du 4, sur du 2+. Et j'ai le droit à la relance d'une blesse. Allez, petit invulnérable à 4 au même endroit. 2 invus à 4 plus un vu qui rate, il faut que t'en relances une sinon elle va mourir, c'est 3 dégâts flat. Et ça yes fait... Et ça fait que derrière j'ai aussi 3 feel no pain à 5. On rappelle grâce à ma cuirasse. On rappelle qu'il te reste 4 PC les... Vas-y. Et je perds 3 points de vie. Il reste 2 points de vie à notre ami le chapelain qui est ici. Et je vais cliquer 2 petits PC pour pouvoir contrer mon adversaire ici. Et pouvoir lancer toutes mes attaques avant lui. Et donc comme j'ai préparé ma défense, ça fera déjà 9 attaques d'Albarde sur du 2+. Un petit 1. Force 6 sur l'endurance. 6.
5, ça sera sur du 3 plus à la blesse. Ouf, c'est pas très joli. Ce qui fait que tu auras déjà 3 sauvegardes AP à moins 2 pour 2 dégâts. 3 sauvegardes en vue à 4. J'en rate une. Je vais claquer un petit PC pour la relancer. Bah, 1 relance 1. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Donc tempère 1 et on continue par les 3 attaques du Ch'tikar. Donc là, c'est pareil, c'est sur du 2. Force cette fois 5 sur du en 5, c'est sur du 4 plus. Ça te fait juste une save, par contre, AP à moins 3, donc t'es encore sur ton invulnérable à 4. Un vu à 4, c'est combien de dégâts ? 2. Donc j'en perds un note. Faut les faire chier, c'est mon point ! Protocole des Nécrons. Donc on va voir s'ils se relèvent sur du 5 plus. Rien du tout. Nous sommes tombés dans un piège. Donc les factionnaires vont taper à leur tour, ils ont 3 attaques chacun. C'est sur du 2 plus parce qu'ils ont plus 1. C'est force 6 sur un du 4, c'est sur du 3. J'ai le droit à une petite relance. Et qui ne fait rien non plus. Donc 4 save à PA-3 pour 1 dégât. Et ben 4 save à 6 alors. Ça fait que je perds 4 points de vie. J'en avais un à 1 point de vie. Donc j'en ai un qui décède, 2 qui décèdent et un troisième à 1 point de vie. C'est étonnant que vous soyez encore en vie. Nous avons ici 3 factionnaires et on a 2 Strike Squad. C'est donc la Strike Squad puisqu'elle est super OP qui prend le point. Et on passe tout de suite aux frappes du Chaplain. 4 attaques du Chaplain qui toucheront sur du 2 plus. Full relance mais pas besoin. Force 6, endurance 2-6, c'est sur du 4. Et ça fera 3 blesses à PA moins 1 pour 2 dégâts. On rappelle quand même que, en théorie, un chaplain c'est Zilote, mais que là, il n'a pas le mot-clé Zilote, donc ben, il n'y a pas de relance des blessures. C'est un petit point qu'il faudra, je pense, éclaircir dans les facs ou ailleurs. Donc on va passer sur une save à 4. J'en rate une, c'est combien de dégâts ? 2. Donc 1 PV, parce qu'il réduit les dégâts de 1. C'est solide. Ceci sonne la fin de la phase de combat et on va tout de suite passer au comptage des points et à la phase de morale. Phase de morale, j'ai perdu 3 personnages ici de mon escouade d'incursion, donc sur un 6, je pourrais éventuellement fuir et je l'ai fait. Mais je l'ai fait. Oui, monsieur. Et est-ce qu'à moins 2 ? Et non, après ça reste. Voilà. Ah, tu restes quand même. C'est dommage. Aïe, 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 aïe. Et ce sera tout pour la phase de morale. Il est sympa, t'es content. Cool. Hein. C'est quand même cool. Mais c'est dommage, mais c'est cool. À la fin du tour 3 des Nécrons, tu marques 2 points de éliminer les vermines. Pour ce quart de table, là, ici il y a du monde, là-bas il y a du monde, et ici il y a du monde aussi. Je marque pas assassinat parce que j'ai pas encore tué de personnage. Et abhorrer le sorcier, bah, j'ai toujours pas réussi à wiper une unité de Psyker. Donc il va falloir se sortir les doigts. Ok, on se retrouve tout de suite pour le tour 3 des GK. Début du tour 3 d'un Kixos qui est plutôt pas mal. Ouais, ça va bien. Pour l'instant, ça va bien. Donc déjà, on va commencer par le pouvoir que j'ai fait là-bas pour mes 3 PC. Ouais. Je me retrouve à être le seul à 6 de ce point. C'est ça. Alors, on le rappelle, tu as fait... Donc là, tu as désigné un point sur la table et au début de ta phase de commandement, toutes les figurines qui sont à 6 pas vont prendre peut-être des BM. Donc, vas-y. Alors, on va commencer par le chaplain qui en a eu. Aucune unité à 3 pas. Donc déjà, c'est bien. Donc là, pour le chaplain, 5, ça fait qu'il va prendre des 3 blessures mortelles. Ça sera une, est-ce que je l'annule sur du 5 plus ? Oui, monsieur. C'est beau. Les paladins, pareil, je ne vois pas ce que j'ai 6. Fait. 6, ah ! Ça peut faire très très mal. Ça veut dire que je peux prendre des 6 BM. 4. Et là, on va voir si j'encaisse. Ah ! Putain, ça a la mort ! Alors, j'en ai combien ? Je vois pas. Suspense, 3. Ah ! Eh ben, tant pis. Il va mourir, et dans la foulée, lui va perdre un point de vie derrière. C'est ça. Le mec s'auto-flagelle pour 3 PC, c'est beau quand même. Ouais. Ouais, mais regarde, en attendant, tu vas donner des points. Bah, il fallait bien. Yes, après, c'était pas évident. On va rappeler que t'as fait un 5 et un 6, parce que t'étais à plus de 3, hein, c'est ça. C'est ça, oui. On soustrait un pour les personnages, on ajoute un pour les troupes. Eh bien, très bien, maintenant tu passes à ta phase de commande, tu récupères un PC. Donc je récupère un puissant PC. On rappelle que non seulement c'était nul ce truc, mais en plus ça valait 3 points. Mais au moins il a déserté le point, ce qui fait que là je marque 15 points de primaire. Alors voilà, on va aller voir tout de suite. Tu vas marquer donc... Celui-ci. Ouais. Celui-ci, chez moi. Celui-ci, encore chez moi. Et celui-ci, parce qu'il me reste
un Guz en escouade incursion. Il est super OP. Et ça, ça fait plaisir. C'est pas mal. Et ensuite, les litanies. C'est ça, à ma litanie. Donc je vais passer sur ma litanie d'expulsion qui fera ma flourlance des jets de blessure au corps à corps. Et ça ne passe pas. Jets de touche. Jets de touche, pardon. Oui. Ce sera tout pour la phase de commandement. On se retrouve tout de suite après tes mouvements. Phase de mouvement terminée. Mon cuirassé a fait un mouvement normal de 9 pour venir se mettre ici et se rapprocher des guerriers. En sachant que eux sont l'unité la plus près pour éventuellement un petit châtiment. Eux, c'est donc les factionnaires. Les factionnaires, effectivement. Excusez-moi. Le petit personnage qui a sorti de l'escouade d'incursion reste là, ne bouge pas, pourra faire son petit rituel de purification. Ici, la strike s'est réavancée pour pouvoir prendre en ligne de vue ceux-là, faire leur rituel, et Papa Voldus va rester là, caché gentiment, on sait jamais. Parce qu'il y a quand même des destroyers qui peuvent le shooter sinon. La strike cachée ici, l'escouade d'incursion derrière qui n'a toujours pas bougé, eux c'est les pleutres. Ils feront leur petit rituel, comme ça ils pourront tirer en double tir et tout, même s'ils sont plus amis portés sur ces dépeceurs ici. Mm-hmm. L'apothicaire a fait un énorme sprint de 3 pour venir coller au paladin ici qui est tout seul. Les paladins qui étaient ici ont sprinté. Oui, excuse-moi, on va enchaîner tout de suite sur le. La fin de la phase de mouvement en théorie, c'est-à-dire que ton apothicaire va soigner. Gratuitement. C'est ça, le paladin qui est blessé de normalement des 3 PV, mais comme il en manque un, ça sera auto. Et je vais utiliser un puissant PC. Yes. Pour faire revenir un petit paladin. Pourquoi petit ? Oh, parce que c'est un petit, ils sont mignons. Ouais, je trouve qu'ils sont mignons. Donc je vais faire revenir mon sergent. Allez, bam ! En full PV, à côté de l'autre. Allez, viens. Et ce sera. Alors tu as fait advance, c'est paladin là, une advance de 5. C'est paladin qui advance de 5 pour me rapprocher du point, mais tout en gardant une petite ligne de vue sur le patron pour lancer un petit sort. Quand même. Et puis, ce sera tout pour ma phase de mouvement. Ah si, il y a le Razorback aussi. Le Razorback, on a oublié, qui a fait un mouvement normal et qui est venu se mettre en position de tir pour éventuellement prendre des PV sur les lignes arrière. Oui, ça a été un move un petit peu. On verra si c'est le move le plus important de la game. Et on se retrouve tout de suite pour la phase de psy, la phase des chevaliers gris. Début de la phase de psy. On va commencer par mon chapelain. Qui va faire un châtiment sur le Destroyer Scorptech. C'est ça ? Destroyer lourd, Scorptech. Locust même, je dirais, à l'arrière. Donc premier châtiment sur du 5+. Je ne vois pas ça passe. Ça passe, ça fait des 3 blessures mortelles. Et ça fera une seule pour lui. On va tenter d'éviter la BM sur du 5+. C'est tanké. Le doyen paladin va faire son rituel purificateur sur le point. Ça sera sur du 5. Et ça passe. Ça fera la première action psychique faite ici. Les deux paladins ici vont tenter de lancer un flamme purificatrice sur le seigneur Scorptech. Ça sera sur du 5, 9. J'ai claque un PC et sur du 4+, le sort ne passera pas. Ah, ça passe. Donc il prend 3 blessures mortelles. Ouais. Je t'en prie, vas-y, enlève si tu veux. Hop. 3 BM. 3 BM, il reste 2 passes à 2. Avec l'âge, il est devenu fort. Les autres paladins derrière vont lancer le même sort, sauf que cette fois, au lieu que ce soit sur du 5, ça sera sur du 6. Ça passe, donc il prend encore 3 BM. Est-ce que tu arrives à les tanker ? On va voir ça. Et non. 2 PV. Il est détruit. Oh dur, c'est pas le pied. Comme il n'est pas noble, tu ne peux pas le relever avec un PC, malheureusement. Il est mort, éliminé dans Zerex, ça a été éliminé. On va tenter de lancer un sanctuaire avec l'apothicaire sur le doyen paladin. C'était sur du 6, donc ça passe. Il aura une invulnérable à 4 au lieu de 5. Ce jour restera dans les annales de l'Empire. L'escouade d'incursion ici va lancer un rituel purificateur sur du 5. C'est un 10, ça passe. Deuxième action de réaliser pour ce tour. Tranquille pour la Strike Scout. La troisième ici va tenter de faire la même chose. Encore une fois sur du 5, c'est du 9, ça passe. Tranquille. Voldus qui est ici va lancer deux sorts, donc il y aura un deuxième châtiment ici sur du 6 sur l'unité visible la plus proche, donc les dépeceurs. C'est un 4, c'est raté. Et après un vortex funeste sur du 7, c'est un 10. Donc ça sera 2 des 3 BM sur son unité. Et ça fait 5 BM. On va essayer d'en abjurer, ce serait bien pour tenir. Sur du 5, il y en a un, j'en perds 4. Mon excellence espère que vous mourrez honorablement.
Dernière action psychique par le dernier de l'escouade incursion qui est ici. Encore un rituel sur du 5. C'est 6, ça passe. Ça fera 4 actions pour ce tour-ci et c'est assez plaisant. Yes, parce qu'on rappelle que tu peux faire une action psychique même si tu es au close. Oui. Et la dernière unité, ça sera le cuirassé Némésis qui va lancer un châtiment sur l'unité visible la plus proche. Donc, ça sera les factionnaires. Les factionnaires. Ça sera le troisième châtiment, donc ça sera sur du 7. Et c'est un 6, donc ça ne passe pas. Et tu ne fais pas de double, donc ce n'est pas un péril puisque tu étais dans les 12 pas de monsieur qui est là. C'est ça. Et bien on se retrouve tout de suite après cette grosse phase psy. Pas pour la phase de tir. Phase de tir DGK, on va tout de suite commencer avec la Strike Squad qui est ici. Donc ça fera 20 tirs. Tir rapide 2, ils n'ont pas bougé 4. Sur du 3+. Aïe. 4, ça sera sur du 4+. Envoyez vos dons pour la chagatte. Ouais, pas mal. Hein. C'est pas si mal, ça fera 7 saves, 100 PA, s'il vous plaît. Oh, j'ai pas plus. Il n'y avait pas de PA ? Non, pas de PA, donc t'en... Ouais, non, t'en perds que 3. Hein. Et tu vas faire ton croûte au col. J'en relève 1. Étant donné que mon camarade se relève bien, les deux paladins ici, qui n'ont pas bougé, vont faire 8 tirs sur les, destroyers. Ils toucheront sur du 3+. Hop, force 4 sur l'endurance de 4, c'est sur du 4+. Et ça te fera 4 saves, 100 PA, s'il te plaît. Donc 4 saves à 4+. Oh, bah j'en perds 1. Protocole. Protocole. Non, quand même pas. Voilà. On continue sur la phase de tir. Les 3 ici vont tirer sur les 2 là, et les 2 du fond sur le seul unique là. Alors, la Strike Squad qui est ici, il y a 3 tirs qui vont partir dans les dépeceurs et 2 tirs qui vont partir dans les dépeceurs. Donc ça fait 6 tirs des 3 sur celui-là, donc sur du 3+, force 4 sur l'endurance 4, c'est sur du 4. Et ça fait 3 saves sans PA encore une fois pour les dépeceurs. Ça va être tendu là. Sur du 4+, pour la save, et il décède. Ouais, tu te sentais bien. Ah non, c'était les 2 là-bas. C'est les deux là-bas, mais ils décèdent de la même manière. C'est les deux là-bas qui décèdent. Mais t'inquiète pas, celui-ci va arriver normalement. Tiens. Et boum. Et là. T'inquiète pas, c'est son tour. Et les deux derniers ici, à mi-portée sur ce dernier dépeceur. Pareil, sur du 3+. Force de 4 sur l'endurance de 4 toujours. Sur du 4. Et ça fait 4 saves sans PA. Pour mon camarade. Tu relances pas les 1 avec Voldus à côté? Si. Mais c'est pas grave, j'avais qu'à y penser. Ouais, t'avais deux, mais c'est pas grave. De toute façon, ils vont sauter quand même. 4 save à 4. Et ils décèdent. Et on continue avec le canon, les canons laser ici. C'est ça. Et le petit Bolter Storm, normalement dessus. Donc le Bolter Storm va partir sur cela. Sur les guerriers Nécron. Sur les guerriers Nécron, pardon, excusez-moi. Et le canon laser sur le destroyer lourd. Cortex. Okay. Locust. Locust. De merde, tu dis. Destroyer lourd de merde. Mais qu'est-ce qu'il dit ? 4 tirs du Bolter Storm sur du 3+. Et en plus, tu les lances mieux en faisant ça. Indéniablement. Force 4 sur endurance 5 sur du 5+. Ouf. Tu vois, je te le dis. Il faut que tu lances moins loin. Je te le dis, j'arrête pas de te le dire. 3 saves sans PA. En même temps que t'as fait les 6, je vais pas les reprendre. 3 saves et 4+. Bon, j'en perds 1. Protocole. Protocole. Out. Voilà. Relance D1. Ah, relance D1. Et bon. Non, il est pas mort. Oui, mais comme il est tombé et que je le relève. Il vient de passer de l'autre côté. Quand je vais tomber, et je le relève. Et hop. Les deux tirs de canon laser qui vont peut-être réussir à toucher cette fois-ci sur le destroyer du fond. Sur du 3. Sur du 3. Ah, j'en ai un. Cool. Force 9 sur endurance moins sur du 3. Ah, putain, toujours rien. Ça, c'est pas ton truc, les canons laser. Oh machin, faut sommer! Allez, un peu de niaque, allez, allez! Le cuirassé Némésis va faire ses 12 tirs d'explorateur Gatling sur les IMO du fond. Ça sera 12 tirs sur du 3+. Ça ne touche pas. Et il y a un 2 ici. Ah, c'est mieux que tout à l'heure. On bouge la ruine. Force 5 sur endurance 5, c'est sur du 4. Et ça fera 3, 4 saves pour PA-1 et dégâts 1. 4 saves à PA-1, donc 4 saves à 4. Il y en a deux de ratés. Protocole. Eh ben, il y en a deux de morts. Fin de la phase de tir, on va passer, je crois, à la phase de charge. Hein. Et yes, on se retrouve tout de suite.
Phase de charge, le Razorback va charger les guerriers Necron ici. 7, ça passe. On va faire bien le bruit du Razorback. Il fait bien le bruit du Razorback qui est un peu un turbo. Hein. C'était un peu. Ouais, il va trouver sur la gueule. Et le cuirassé Nemesis, et je vais dépenser un PC pour que la charge de mon cuirassé te fasse des BM. Waouh! Et attends, parce que je crois que le Necron veut aussi dépenser. Ouais, je vais claquer donc un PC pour tirer en état d'alerte. Et vu qu'il a mis portée, je vais pouvoir faire pas mal de tirs. Vas-y. En espérant que ça fasse quelque chose. Donc les tirs en état d'alerte de Méga Necron sur le cuirassé, sur du 6. Donc, j'en ai déjà deux. Sur la première salve. Genre, je relance le G, vu qu'ils sont en double tir. Yes. Ça en fait 5 en tout. 5, c'est pas mal. C'est de la force 4. Ceux de l'endurance de 6, c'est sûr du 5. Allez, on y enchaîne. Eh, bah ça te fera rien. Oh là là. Mais oui, mais il est béni par l'empereur. Et du coup, je vais quand même. Ça fonctionne à ce moment-là. Oui. Je vais partir en état d'attaque. Oui, tout à fait. Donc, on va faire une petite relance. On sait jamais. Eh ben non. Bon, je vais charger alors, hein, quand même. Hein. 8 et grâce. Basse. Allez, grâce à mon stratagème, la foulée foudroyante, je vais lancer un dé sur du 2 à 5. Il fera des 3 BM, ça sera des 3 BM sur eux, et ça fera 2. On va faire notre film de pain à 5+, ça fera une BM. Vous avez eu grand tort de vous mesurer à moi. On se retrouve tout de suite pour le combat. C'est parti pour la phase de combat avec le puissant Razorback. Le puissant Razorback qui fait 3 d'attaque. Sur du 6, et ça fait rien du tout. Donc on va passer... tout de suite se décaler et passer à quelque chose d'un peu plus sérieux avec le cuirassé Nemesis. Yes. Circuler et rien à voir. Allez, hop. Allez, je vais choisir le coup de taille de l'espadon Nemesis pour taper, ce qui me fera double attaque, donc 10 attaques sur du 3+. Force 6 sur endurance de 5, ça sera sur du 3. Ça sera une full bless. PA moins 2 pour 2 dégâts. PA moins 2, ça sera des save à 6. J'en perds 4. Protocole. Protocole de réanimation. J'en ai un qui revient. J'ai la relance native. Donc deux qui reviennent. J'en perds au total 2. Et t'as une relance gratuite. Et j'ai une relance gratuite en effet, vu que je suis à portée d'un personnage. Donc j'en perds que 1. Merci bien. Bienvenue dans le monde des Necrons. Un monde où tout est beau. Un monde où tout le monde se relève. Si nous pouvions le convertir, il deviendrait un allié très puissant. Les trois factionnaires ici vont taper sur son Gugus, là, qui reste de la Strike Squad. Donc, ces trois attaques par tête, c'est sur du 2+. J'ai 3-1. C'est force 6 sur du 4, donc c'est sur du 3. J'ai droit à une relance. Donc, tout passe, ça fait 6 save à PA-3 pour un dégât. C'est pas joujou, ça. Allez, 6-6. Saucisse, allez, saucisse, saucisse. Ah, bah c'était bien. Presque, hein. Presque, mais. C'était pas bien. C'était pas bien, mais on a rien vu, merci. Envoyez vos dons. Bon, bah il est mort. Hein. Bon, bah alors d'accord, je l'enlève pour une fois. Voilà. Ok. La riposte avec 8 attaques de guerrier Necron sur le cuirassé. Ça fait peur. Ou pas. C'est sur du 3. Même sur du 2. Non, parce qu'ils ont pas le plus 1 à la touche. Pardon, c'est sûr. C'est à côté. Attends pour moi. C'est de la force 4 sur de l'endu 6. C'est sur du 5. Ouh, Trace of Guard, pas de PA. Pas de PA. 3 save à 2. Et c'est tanké. C'est beau. Non, 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 attendez, non, ne tirez pas, il y a erreur. Ne tirez pas, je suis pas armé. La riposte ici de Mega et Necron qui sont 10. Ah, c'est pas Eileen, ils vont taper un max. 10 cron-cron, 10 cron-cron. 10 cron-cron. Donc c'est sur du 2 pour eux. Ah, j'avais anticipé. C'est ça. Dans ce 4, en du 7, ouais. Donc c'est sur du 5. Là, j'ai une relance. Et ça fait 3 blesses. 3 sauvegardes à 3+. Allez, 3 sauvegardes à 3. Et ça fait... j'en sais rien. C'est bon, c'est bon. Et c'est tout tanké. Ceci sonne la fin de la phase de combat et la fin du tour 3 des GK. On se retrouve tout de suite pour compter les points. Fin du tour des GK, je n'ai pas de test de morale. Je vais marquer 6 points de d'Art du Warp avec les rituels purificateurs parce que j'en avais fait un ici, un ici, un ici et un ici, ce qui fait 4. Donc 6 points pour ce tour.
Tu vas marquer aussi 3 points de sur tous les fronts grâce à Voldus ici qui est bien entièrement dans ce quart de table là. On a ici un cuirassier Nemesis et nous avons ici plein de paladins. Ils sont tout plein. Et une strike squad qu'on ne voit pas mais qui est juste derrière ici. C'est ça qui est caché. Et c'est pas mal du tout. On se retrouve tout de suite pour le tour 4 des Nécrons. Début du tour 4 des Nécrons, début du round 4, c'est parti, tu retrouves un PC de plus dans ta phase de commandement. C'est ça. Ensuite, j'ai pas eu de PV d'enlever, donc ça c'est bon. Je vais utiliser que ma montée s'accomplisse sur les deux unités qui sont closes. Alors pour ce tour-ci, le protocole que je vais prendre, c'est protocole néant du vide. Et je vais prendre comme directive sur un jet non modifié de 6. Au close, je vais améliorer la PA de 1. D'accord. Ensuite, pour finir pour ma phase de co, je vais marquer 10 points de primaire parce que j'ai 7 objectifs, celui-ci et celui là-bas. Ouais, donc celui-là, celui qui est dans la ruine ici et celui-ci. Et également, avec Illuminor Zera, je vais pouvoir utiliser le rite de réanimation sur mes deux unités étant à 6 pouces et vu que je peux l'utiliser deux fois. Donc on va commencer par jeter un premier dé pour cette unité là. Je vais relever 3 guerriers Nécrons. D'accord. Et ensuite, pour celle qui est engagée avec le Razorback, ça sera 2. Parfait, on se retrouve tout de suite après ta phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement de C4 qui va nous expliquer ce qu'il a fait. C'était assez technique. J'ai désengagé mes guerriers Nécrons ici pour laisser la place à Illuminor Zeras et à Montetrarch afin de pouvoir tirer, charger en espérant, en croisant les doigts de Nécron, ce qui n'est pas facile mais on espère, pouvoir le faire tomber. Mes immortels qui étaient là sont revenus dans la ruine pour pouvoir tirer et garder le point également. Mm-hmm. Mes factionnaires ont juste reculé légèrement dans la ruine pour garder le point. Ouais, là c'est une histoire de points gardés. Ouais. Les gars Nécrons ici n'ont pas bougé, ils restent engagés au close. Ouais. Les immortels se sont déplacés légèrement, histoire d'avoir du double tir sur son doyen Abania, si je ne me trompe pas. Doyen Paladin, oui. Doyen Paladin. Donc il y en aura 3 qui pourront tirer. Et enfin, mon Destroyer Locust, qui était là, est venu ici afin d'avoir des lignes de vue et il faut absolument qu'on tombe des personnages. Eh oui, c'est un petit peu en retard à ton secondaire. Légèrement. À la fin de ta phase de mouvement, tu vas faire adaptation mécanique avec l'Illuminor Zeras, c'est ça? Oui. Allez, sur les immortels ici. Et 6, donc ce sera plus 1 en CT, donc ils vont toucher sur du 2+, ce qui m'arrange, vu qu'ils n'avaient pas que ma volonté s'accomplisse. Exact. On se retrouve tout de suite pour ta phase de tir. Mon Destroyer Lure Locust va tirer sur son chapelain en armure Terminator qui est juste en face. On le voit pas bien, il est sous la ruine. Vas-y, vas-y. C'est ça. Donc c'est sur du 3+, ça touche. Force 10. Il faut que ça blesse. Sur du 3. Sur du 2. Sur du 2, pardon. Ça blesse. 1 à 6. 1 vu à 4. C'est tanké. Merci. Le deuxième va faire la même chose. Vas-y. Sur du 3+. Ça passe pas. Et je vais la relancer. Ah ouais, il est comme ça. Là, il dit ça touche. Il faut maximiser. On est tour 4. Ça touche. Ça passe. Sur du 2. Ça blesse. Yes. 4+, 1 vu. Rate. Et c'est ah tenté. La vache. Il y a la main chaude qui xosse ce soir. Ensuite, on va enchaîner avec les immortels. Donc j'en ai 2 qui sont à mi-portée. Donc il y aura 4 tirs ici et un 5e ici sur la bannière. Eh oui. Donc 5 tirs sur du 3. Pas mal. Force 5 en du 4. Oui. Sur du 3, une relance. Et donc ça fait 4 save à PA-2. 4 save, PA-2. Tu es dans le décor donc PA-1. PA-1, donc ça fait 4 save à 3. Ah, ça fait 2 petits PV. Il reste 3 PV sur le paladin. On enchaîne avec les immos là. Les immos ici sur le cuirassier. Donc c'est double tir. Sur les vrais, ça va. C'est sur du 2+. Ça touche. Ah ouais. C'est force 5 en du 6. Oui. C'est sur du 5, j'ai le droit à une relance.
Ça fait 2 blesses, ça fait déception à moins 2. De la relance. Alors ça fait quoi de faire comme moi? Allez, 2 save à... Paix à moins 2, bah une save seulement, donc je perds un point de vie. Oui, qui a un N 2 plus, il faut le rappeler. On va passer ensuite avec le Tétrarque. Ah. En c'est... espérant qu'il fasse quelque chose, parce que ces hommes, c'est pas ça. Donc c'est assaut 4. Complet. C'est sur du 2 plus. C'est force 6. Ah, sur du 4. C'est historique ce qu'il nous fait. Hein. Une save. La petite relance d'Arikane qui va bien. Ça blesse. Donc c'est PA moins 2 pour 2 dégâts. Allez, 2 save à 4. Ça en fait une sur 2. Non, je ne relance pas de PC. Je perds 2 points de vie supplémentaires. Je passe à 6 PV. On va passer sur Éliminant Zeras, sur le cuirassé. C'est à 1 des 3. Donc ce sera une seule. C'est sur du 3 plus. Attends. C'est force 8. Et à moins 4. Mais je vais claquer le techno-auriculaire pour un PC. Ce qui fait que la blesse va passer auto. Bon. Allez, d'accord. Ah ouais. C'est à moins 4. Donc je vais plus lancer le dé, quoi. C'est une 6. Ah ouais, d'accord. Bon, je suis direct sur mon avis à 4. C'est ça que tu me dis. Tu vas la réussir. Voilà. Dans un bon mood. Voilà, bon, bah. Bon, voilà, un petit 6, quoi. Un petit PC bien claqué. T'en as pas claqué de PC, j'en ai raté. Ça fait que tu claques un PC que je te gâche ton PC. C'est exactement ça, c'est à chaque fois comme ça. Tu le sais en plus. Phase de tir terminée pour moi. Faut faire semblant de s'apercevoir de rien. Ce pauvre Plouc, il a la vue qui baisse, alors il roule de plus en plus à côté de la piste. On va passer tout de suite à la phase de charge. Ma phase de charge, je vais envoyer le Tétrarque sur le cuirassé. 7. Ça passe. Illuminor Zeras. Bon, ça devrait aller. Ça passe aussi. Il n'est pas super motivé, mais il est content quand même d'y aller. C'est ça. Et on passe tout de suite à la phase de combat, parce qu'il n'y a pas d'autre charge. Illuminor Zeras va taper avec sa lance spectrale en mêlée. Donc ça va être 4 attaques sur du 3+. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est de la force 6. Sur du 4, ça continue comme ça. Hein. Ah, oh là ça, là, c'est là, 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 la chef gâte. 4 à vue, parce que c'est de la PA moins 4 pour 2 dégâts. Alors d'accord, je vois que le mec il rigole plus. Et j'en réussis 2, je perds donc 4 PV. Et je passe à 2. Il va me le faire péter ce con, dans les dents. On va passer ensuite à mon Tétrarque. Il y a également 4 attaques sur du 2+. Ça passe. C'est de la force 6. Et bien sur du 4. Et ça en fait 2. Je vais faire ma relance à ce moment-là. Bah ça en fait 2 toujours. Non, 2. Donc c'est de la PA moins 2 pour 2 dégâts. Bon, bah on va sur du 4 plus alors. Ah, ah, ah là, et là le dilemme. Ah, et là le dilemme, il te reste un PC, tu voulais le garder. Non, je ne le claque pas, je te laisse le tuer. Je te laisse marquer 3 points, je vais en avoir besoin de me tester. Est-ce que je te pète à la gueule? Et non. Dommage. Il s'en va, tristement. Bon vent. Bon allez, fin. Bon vent. Allez, au revoir. La joie de vivre et le jambon. Y'a pas 36 recettes du bonheur. Le Razorback GK, 3 attaques sur du 6 ce mardi. 3 attaques de Vroom Vroom. Eh ben rien du tout, ça sera à toi de taper. Pardon monsieur, excusez ma curiosité, vous seriez-il pas ensemble des fois? 12 attaques sur du 2+. Oh punaise. Y'a juste un petit 1, donc ça va. Ça fait gros. Force 4 en du 7 sur du 5. Les 6 font de la PA moins 2, moins 1, pardon. Ça s'appelle Groot. 4 save, 2 à PA moins 1 et 2 pas de PA. Allez, les 2 à 3, je perds un PV. Les 2 à 4, et ben je repère un autre PV. Ça fait que je passe à 5. Hé, hey, encore 3 tours et tu vas réussir à le tuer. Ça s'appelle Groot. C'est con, il en reste que 2. Il en reste qu'un même derrière. Ok, ceci sonne la fin de la phase de combat. Qui a été... bon, t'as réussi à faire ce que tu voulais quand même. Je s'appelle Groot. Et on va tout de suite compter les points. Pour terminer ce tour-ci, je vais marquer 2 points d'éliminer la vermine parce que son Razorback n'est pas entièrement dans ce quart de table-là. Ouais, donc le Razorback là, pas entièrement là. 2 points. Et 3 points d'Aboré le sorcier parce que j'ai détruit son cuirassé. Ouais. Alors on se retrouve tout de suite pour le tour 4 des GK.
Début du tour 4 des GK qui sont bien partis, qui ne doivent pas se rater. C'est ça. Donc, début de mon tour, je regagne un PC mais que je redépense tout de suite. Ah, t'es comme ça. Ah oui, je suis comme ça. Je vais utiliser le stratagème des conjurateurs qui me permettra de modifier un pouvoir de la discipline Dominus sur un personnage conjurateur. Ça sera le doyen paladin ici présent, qui va remplacer son amplification empyrène par le pouvoir portail d'infinité, pardon. D'accord. Voilà, et dans la foulée, parce que j'ai un petit chapelain, je vais lancer ma petite Nitalie sur du 3+, qui me permettra d'avoir plus 1 à tous mes castes autour de lui. Tranquille. Et je marque aussi les 10 points de primaire. Bah oui, parce que tu as ce point-là, ce point-là-bas derrière la ruine, ce point-là. Donc ça t'en fait 3, et tu n'en as pas plus que le Nécron. Mais non, va falloir aller les chercher. C'est ça. Ben on se retrouve tout de suite après ta phase de move. Fin de la phase de mouvement des GK. C'est parti, qu'est-ce que tu as fait, s'il te plaît, Kixos? Alors, flanc gauche. Flanc gauche. Là, l'apothicaire, il sprint très vite. Il rattrape le chapelain, qui lui n'a pas sprinté. On va essayer de faire un petit soin par ici avec des 3 PV pour le chapelain. C'est parti. Et ça fera 2 PV en plus, il repasse à 4, bang bang. Si je trouve le 4. Ok. Ok. Là, eux le suivent, les deux. Race, lui, il se décale, il garde un petit pied sur l'objectif, on sait jamais. Là, eux n'ont pas bougé, il n'y a pas besoin parce que ça se passait autour du psy. Il n'a pas voulu, on le rappelle, il n'a pas voulu soigner un pala de plus. Non. Parce que tu veux garder ton précieux PC. Ton prix. L'escouade d'incursion, ici, n'a toujours pas bougé. Parce que scout, c'est ceux qui font que. Ils font chauffer des carnets. Ah oui, eux, ils sont juste là pour faire des rituels. Des marshmallows. Voldus a fait un mouvement normal pour venir chercher les factionnaires ici. L'escouade d'incursion, pareil, s'est décalée pour avoir une ligne de vue pour essayer de mettre un châtiment. Yes. Et ce sera tout pour ma phase de mouvement. Et on va passer tout de suite à ta phase de psy, parce que la phase de psy, c'est ton truc. C'est parti, on va commencer par le doyen ici, qui maintenant va pouvoir lancer un portail d'infinité. On va le lancer, c'est sur du 7, plus 1 grâce au chapelain, c'était un 2. Et ouais, donc, ça passe facile. Et tu le lances sur qui ton portail? Et je le lance sur ces 3 paladins qui vont se téléporter à l'autre bout là-bas. Ils vont se mettre ici, à 9 pas, on a mesuré. Que je voulais faire. Et voilà, ils sont là. L'apothicaire va lancer pareil, sanctuaire sur les deux derniers. Paladin, c'est sur du 6. Et avec le plus 1, ça passe. Le chapelain va lancer un petit châtiment sur l'unité visible la plus proche qui seront les immortels ici. Donc c'est sur du 5. Ça fait du 8 plus 1, 9, ça passe. Ça fera des 3 blessures mortelles. Ça fera une blessure mortelle pour des immortels. Allez, 5 plus sur l'immo. Les immortels, non. Ça fait une blessure mortelle ici. C'est donc un petit mort. Un mouru. Oh, je suis mort. Les deux derniers paladins ici vont se lancer un petit point d'acier. Petit. Ouais. Si ça passe, ça fait que j'aurai une full relance des jets de blessures au combat. Dis donc, t'as pas... Hein? Ouais, ça se passe pas mal. Les phases de psy, ça se passe bien. T'as pas raté beaucoup de sorts quand même dans cette partie, hein? J'ai fait quelques périls quand même. Ouais. L'escouade d'incursion qui est encore cachée tout au fond ici, là, parce que eux ils campent depuis tout à l'heure, on sait. Ouais. Ils vont faire leur petit dernier rituel pour marquer mon dernier point de secondaire. Et c'est et un ça 7, ça n'a même pas roulé, mais ça passe, très bien. Ça passe. Et, ce, et en plus, tu captes ton secondaire sur ce jet. Oui. Bravo. On passe tout de suite à Papa Voldus et ses copains. Papa Voldus, qui n'a pas de ligne de vue sur eux. Et pas été bon. Donc du coup, il va lancer un châtiment, ici. Sur les nécrons du centre. C'est ça, ça sera sur du 6 pour le coup, et ça passe. 5 plus 1, 6. On lance des 3 blessures mortelles. Et ça fera 2 sur les guerriers de devant. On va essayer d'annuler ça sur du 5+. Oh. Je me serais habillé, Papa Voldus. Papa Voldus, ça y est, surpris. Qu'est-ce que c'est? Comment? Comment? Qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que votre magie peut faire, ça, Roman. Excellent. Et ce sera tout pour lui. Là, le châtiment de E sur E. Donc là, ça sera sur du 7. Et ça passe, ça fera des 3 blessures mortelles. Et ça fera une blessure mortelle. J'ai pas vu les... Ah, excusez-moi. Est-ce qu'on la tank? Non. Cool, il va t'enlever un point de vie.
Et les derniers paladins ici ont lancé encore un point d'acier, cette fois sur du 6. Ça passe, full relance, des jets de blessure au combat. Tu n'étais pas à 12 de monsieur ? Ah, donc du coup, je prends. Attends. Est-ce qu'ils vont réussir à sortir leur maître ? Et non, je suis à plus de 12. Et non, t'es à plus de 12, donc il n'y aura pas de péril. Pas de péril. Ceci sonne la fin de la phase de psy, on va tout de suite passer à la phase de tir. Je vais commencer par faire tirer mes deux paladins ici sur les 8 les 4 immortels qui sont là. Ouais. Donc ça fera 8 tirs sur du 3+. C'est ça. Force 4 sur endurance 2-5. Ça sera sur du 5. Oh, ça part dans tous les sens. Et ça fera que 2 save. Donc pas de PA, j'imagine. Pas de PA. Donc save à 3. Et c'est tanké. Oh, facile. Dans la foulée, les 4 tirs du chapelet. Sur du 2. Allez, ça fait 4 3. Touches. Du 3. Sur du 3, pardon, il y en avait une qui ratait. Force 4, endurance 5, sur du 5, ça ne fait rien. Ah bon, j'ai mieux que ça, mais c'est toujours pareil. Ah bah, dis donc, qu'est-ce qu'il vous faut alors ? Les 4 tirs du Razorback dans les guerriers au corps à corps. Avec. bah, ça en fera que 1. Force 4 sur endurance 5, ça sera sur du 5, ça fait une save sans PA pour le moment. Une save à 4, et c'est raté. Ouais, trop bien ! On va faire les 2 tirs canon laser. Allez, vas-y ! Allez, sur du 4 parce que c'est une arme lourde. Bien joué ! Ouais, trop bien ! Et même sur du 5, donc ça ne passe pas parce que je n'ai plus que 5 PV. Et ouais, et du coup, c'est raté encore une fois. Ouais. On va passer au protocole. Protocole. Sur du 5, relance des 1, il n'y a pas de 5, donc il est bien décédé. C'est très bien ça. Pour une fois, tu fais les choses bien. Non, on sait rien. Laisse. Ce qu'il faut avec lui, c'est attendre qu'il s'épuise et surtout pas moufter. Hein. Les 12 tirs de Paladouf qui vont tirer sur les guerriers. Et ça sera sur du 3. Ça sera force 4 sur encore de l'endurance 5 grâce au buff sur du 5. Eh bien, c'est pas si mal, ça fait 3 saves. 3 saves, je vais les mettre sur ceux à l'intérieur de la ruine, donc 3 saves à 3. J'en perds 2. Deux protocoles, missile. Relance des 1. J'en ai un qui revient. Ok, on va tout de suite pouvoir passer à la phase de charge. Phase de charge des Grand Knights avec le Chaplain qui a quasiment une charge auto. Oui, grâce au courant de célérité, je charge les deux destroyers en même temps. Ah bah ça fait du 9, donc c'est très bien, ça passe. Plus un même grâce à son trait de seigneur de guerre. Il va venir cliquer les deux petits monsieur qui ont des gros canons. Il va... On va se glisser entre les canons. Ah oui. Les deux, les deux palous qui sont derrière vont faire pareil une charge. Ça fait une énorme charge à 10, plus 1 grâce au trait du chapelet. Ça passe. Paf. Mais et casse-toi paf. Bordel. Et hop, les Destro sont chargés et ça va faire mal. On passe tout de suite à l'autre bout de la table. La charge du dernier PC, la charge des paladins en ce tour 4. Attention, c'est une charge à 9. Et ça fait que grâce au courant de célérité, le 2 se transforme en 3 et c'est réussi. Ouais, c'est pas mal, hein, le courant de célérité, on pourra dire ce qu'on voudra, mais là... Eh oui. Sur le papier, ça a l'air... ça a l'air sympa. Mais en fait, c'est ultra fort. Oh, c'est très très bien. À la fin de ta charge, tu as donc collé à la ruine. On ne le voit pas ici, mais on va faire un petit travelling. Hop là, les immortels sont collés. Enfin, il y en a au moins deux qui sont collés. Et donc, tu peux, en te collant à la ruine avec tes trois figurines, tu vas pouvoir leur taper dessus. On passe tout de suite à la phase de combat. Avant la phase de combat, est-ce que Papa Voldus va réussir sa charge ? Oh là 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 là, mais ce que ça gâte ! Voilà, aujourd'hui, c'est ma journée. Faut faire comme avec les scorpions qui se suicident quand ils sont entourés par le feu. Faut faire un feu en forme de cercle autour d'eux, comme ça ils se suicident, pendant que nous on fait le tour, et on lance de la caillasse de l'autre côté pour brouiller. Non ? Papa Voldus est dans la ruine. Et ça va chier. Ok, on va commencer par Papa Voldus qui va faire ses 6 attaques sur du 2+. J'arrive à faire un 1. On n'oubliera pas que tu as tenu bon avec tes nécrons. Tout à fait. Force de 8 sur endurance de 5, ça sera sur du 3+. Ça fait 4 saves. AP à moins 3 pour 3 dégâts. Allez, 1 vu à 4. J'en perds 3 du coup, c'est ça ? 3. Eh oui, c'est ça. 3, pas de protocole. Est-ce que tu claques ton PC pour essayer de relancer un pour qu'il tienne ? Il y a d'autres attaques derrière ? Non, pas avec lui. Eh ben écoute, on est joueur. Il reste un PC, il on le claque. Va et non, ça et change rien. Allez, on sent que le Nécron est en train de... De craquer. De craquer. Vous savez, ça s'est passé tellement vite, il a pas dû souffrir du tout.
Les attaques des paladins ici, on va commencer par le Justicar avec son épée de force Némésis. Donc ça sera 5 attaques sur du 2+. Force 5 sur endurance de 5, ça sera sur du 4. Full relance grâce à point d'acier. Donc 2-6 déjà, full relance. Et ça sera 2 saves à faire, PA moins 3 pour 2 dégâts. Donc 2 saves à 6 pour mes immortels. Il y en a une de réussie et pas l'autre. Les 8 dernières attaques des deux autres paladins avec Albarde sur du 2+, c'est une full touche. Force 6 sur endurance de 5, c'est sur du 3+, relançable grâce au point d'acier. Ça fait tout ça de save, ça en fait beaucoup. C'est à moins 2 cette fois, donc save à 5 pour 2 dégâts. Bon bah on croise les doigts. Mais quand on est nécro, on peut pas croiser les doigts. Ça décède. Allez, bim. Ça déconne pas les paladins. En vrai, t'aurais dû venir qu'avec ça. Après le pile-in des paladins qui, bah voilà, en plus, se retrouvent au close avec les guerriers. Phase d'attaque du chapelain qui va mettre toutes ses attaques sur ce destroyer lourd locuste. Donc ça sera 4 attaques sur du 2+. Force 6 sur endurance de 5, ça sera sur du 3+. Ça fera 3 blessures à PA moins 1 pour 2 dégâts. 3 saves à 5. C'est raté. Il est mort. Ouais. Bon bah je crois que là... Vache. Dans la foulée, on va faire les 5 attaques du Justicar du paladin ici sur le destroyer lourd Locust. Donc ça sera sur du 2+. Force 5 sur endurance 5, ça sera sur du 4+. Full relance grâce à point d'acier. Ça fait 4 saves, PA moins 3 pour 2 dégâts. Après vérification, tu as une save à 3 ici. Bon, ça n'a rien changé pour celui d'avant, mais donc du coup, hop, on est passé sur une save à 6. C'est ça. Et il y en a aucun. Il y en a aucun, mais pain. Paf. Paf le chien. Ça déblaye, ça déblaye. Évidemment, avec des moyens pareils, moi aussi j'y arrive. Oh, ça n'est pas qu'une question de moyens. Si. Non. Si. Oh non. C'est... Après, tu vas donc pile-in à 3 ici avec tes paladins. Malheureusement, comme tu as frappé en premier avec ton chapelain, c'est la fatigue, hein, c'est normal. Tu ne peux pas engager les immortels. Petite erreur, il aurait fallu taper avec eux en premier. Bon, cela dit, c'était assez violent. Ce n'était pas évident de le savoir. Enfin, savoir que tu allais wiper les deux. Après la mise en contact, ça te fait 9 attaques. C'est parti. Sur du 2. Crac. Hop. En fait, que les 6 se feront de la PA supérieure. Là, il y aura 2 PA moins 2, c'est de la force 4 sur l'endu 4, c'est sur du 5. Pardon, force 4, endu 4, c'est sur du 4. Sur du 4, excusez-moi. Et il y aura 2 PA moins 1 et 4 normal. Donc 4 sauvegardes à 1+, ça devrait aller. 4 sauvegardes. Du coup, je perds quand même un petit point de vie. Ouais. Et les deux sauvegardes à PA moins 1, donc sauvegarde à 3. Et je perds 2 points de vie, donc je vais les enlever sur celui de derrière. Non, sur celui de devant. D'accord. Ça sera plus intelligent. D'accord. Mes 11 guerriers Nécron qui vont taper sur un Zorbak. Yes. Et sur du 2+, également. Ils sont forts ces guerriers Nécron sur du 2+. On dirait des succubes. Bon, après, c'est différent. Après, c'est différent. Sur du 5. Ouais. Les 6 font de la PA. Ouh, mais monsieur fait 3-6. J'ai le droit à une petite relance. En plus. Ça fait Groot. Oh. Allez, c'est cadeau. Ça fait plaisir. Alors, d'accord. 4 save. 4 save à 4. Ouais, 4 save à 4. Ça s'appelle Groot. Ouh. Easy. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette partie? Ça s'appelle Groot. Ok, bah on se retrouve tout de suite pour le Razorback, on sait jamais. Non, ouais, bah 3. D3. À D3 d'attaque, ça fera 3. Sur les 6. Et non, il va toujours pas rouler sur les guerriers. Non, toujours pas. Quand même, il a fini par céder. Eh bien, on va tout de suite se retrouver pour compter les points. Voici un GK heureux. Presque, en tout cas. Il reste un tour. C'est ça. Vas-y.
Alors là, pour la fin de mon tour, je vais marquer mon dernier rituel psychique, rituel de purification. Tu capes 15 points. Je cap les 15 points. Je suis sur tous les fronts, donc je vais marquer 3 points sur tous les fronts. Et le pas de prisonnier, on le scorera tout à l'heure. Alors, pas de, on va quand même le dire. Sur tous les fronts, tu es là-bas avec Papa Voldus, là-bas avec ceux qui mangent des chamallows et chantent des chansons scouts, ici avec... il y a tellement d'unités qu'on ne sait même plus les compter. Et là, avec tes paloufs qui non seulement ont réussi leur charge, bon, enfin eux ils font le café, hein, là ils t'ont rien raté avec eux. On se retrouve pour le tour, le round 5 et le tour 5 des Nécrons. Action pour ces 4 et le round 5 et son tour 5. Ouais. Bon, là, c'est un peu chaud. Je vous le cache pas, ça va être un petit peu compliqué. Je récupère un PC. En vrai, qu'il garde le sourire, ça fait plaisir. Mais oui, je vais marquer quand même 5 points de primaire. Et je rappelle qu'il faut 2 objectifs pour en marquer 5. C'est ça. Celui-là que tu tiens avec le dernier petit. Guerrier Nécon qui est là, et le petit Timo qui est là. Ouais. Le protocole, ça va être protocole de tempête soudaine. Et je vais ajouter plus 1 en mouvement à mes figurines. Ok. Après le protocole, je vais mettre plus 1 touche sur mon unité de guerrier Nécron et ça sera tout parce que celle-ci est trop loin. Mmh. Je regarde. Est-ce que tu relèves des... Je vais relever ici des 3 guerriers. Pas con. Ça sera 3. Combien? Il m'en restait 2 en fait qui étaient morts. Ah bon, bah... Ça reviendra full effectif. C'est bien. En même temps, il y a un peu des paladins dans le coin, donc ouais. Ça peut servir. C'est la fin de la phase de commandement, on se retrouve tout de suite à la fin de tes mouvements. Tu viens de finir ta phase de mouvement, qu'as-tu fait ces 4? Donc ici, j'ai pas bougé, je suis resté au close. Le Tétrarque et Luminor vont aller essayer d'aller chercher Papa Voldus, parce que c'est tout ce qui reste à faire, je pense. Mm-hmm. Ici, on n'a pas bougé du close. Les Imos sont juste un peu reculés, ils vont mettre un maximum de tirs en espérant le faire tomber. J'échappe là, bien sûr. Et ça sera tout pour ma phase de move. Ok, on se retrouve tout de suite pour ta phase de tir. Direct. Les immortels qui sont à mi-portée vont doubler leur tir sur le chapelain. T'as fait 8 tirs sur toi-même. C'est sur du 3. C'est force 5 en du 4. Sur du 3 aussi, une relance. Ça ne suffira pas. Ça fait 2, PA moins 2, point D. 2 sauvegardes à... même je dirais 3, parce que j'ai plus 1 à ma save grâce à ma relique. Et c'est tanké. Et voilà. Oh là là. Putain, le cador que c'est, lui. On va passer ensuite à Illuminor Zeras. Donc, il y a un assaut des trois, oui. Oui. Qui va tirer sur Papa Voldus. Attention, ne tire pas sur Voldus, monsieur. Et ce sera quand même 3 tirs. 3 tirs. Sur du 2. Sur du 2+, tout passe. Donc là, Papa Voldus, faut qu'il réussisse. Non, déjà, il va falloir que tu blesses. Ouais, faut peut-être le blesser quand même, mon copain. J'ai pas envie. Donc 3 touches, on va passer maintenant à la blesse. Force combien? Force 8. Ah quand même. Ça fait 2 blessures sur Voldus. Bah je vais claquer le petit PC qui me reste. Ah ouais. Ici. C'est de l'acharnement, monsieur. Ah oui, gros acharnement. Allez, c'est parti pour Voldus qui va faire ses sauvegardes ici là. Un vu, PA moins 4. Allez, un vu à 4. Et ça fait une qui passe. Des 6 dégâts. Ouh! Voldus, il a 6 points de vie, attention! Est-ce que je claque pas une relance alors? Ah, c'est moi, je sais pas, tu te vois peut-être. Ah ouais, ben, je vais claquer mon unique dernier PC pour essayer de tenter une relance. Et non, 3 pour 3. Ah bah, chacun son tour. Hein. Allez, des 6 dégâts, un petit 6, ça serait parfait. Et oh! Waouh! Je déteste! Je veux que tu crèves! Décédé. Et là, Wally se retrouve tout seul. Après cette phase de tir qui a vu Papa Voldus s'en aller au milieu des étoiles. Headshot. Ouais, tu m'étonnes. Assez impressionnant. On va passer tout de suite à la phase de charge. Charge des immortels sur le chapelain. La charge de j'ai plus rien à perdre. C'est ça. Ah, charge à 7 qui passe. Achète collection. C'était une charge vraiment à 7 tout pile, mais comme là, derrière la ruine, tout ce qui s'était passé là, et ben, ces 4 avaient été plutôt arrangeants avec Ixos, et ben, du coup, ben, c'est bien joué.
XO, c'est assez arrangeant avec ses 4 sur cette charge. Quand, mmh. quand ça se joue à un demi pas, enfin un demi-pas, mais un quart de demi-pas, bon bah voilà. Un poil de... Voilà, un poil de machin, comme vous dites, cher ami. C'est parti pour la deuxième charge. Le Tétrarque sur le Rhino, c'est une charge à 9. Mmh. Qui ne passera pas. Ah, merde. Et Illuminor sur le charge Rhino, à 11. Charge à 11. Qui ne passera pas non plus. Ouais. Et voilà. Énervé, il veut casser le décor de chez 3D Board Game. Eh ben, on se retrouve tout de suite pour la phase de combat. Allez, c'est parti. Donc ça fait 2 attaques par tête, donc 8 attaques, tout sur le chaplat. Sur du 3+. Oh putain. Oh le jet de drag queen. Les 6, c'est de la PA moins 12. Ah quand même. Ignore un vue. Fond de loup. Donc ensuite, c'est de la force 4 sur l'handicap, donc c'est sur du 4. C'est là où ça commence à être plus faible. Ah bah c'est très faible. C'est très très faible. Allez. Putain, il se rit, le chapeau en armure Terminator. Bon, bah, je commence par qui pour taper là? Alors, moi je pense qu'il vaut mieux commencer. Bah, je pense que je vais commencer de l'autre côté moi. Voilà. Hein? Voilà, il l'a tenté mais il ne s'est pas laissé faire. Bon, bah, on va commencer par les 5 attaques du petit monsieur avec son épée de force Némésis. Ça sera sur du plus. Ça fait une qui rate. Ça fera du force 5 sur l'endurance 5 sur les 4 plus, mais full relance parce que je suis encore sous le point d'acier. Et ça fait 3 save APA moins 3, donc je suppose que tu n'en as pas. Mmh. 3 morts. 3 morts. 3 morts. Et les 8 attaques, pareil, sur du 2 plus d'Albard. Donc ça ne se relance pas. Force 6 sur l'endurance 5, ça sera sur du 3 plus full relance. Grâce à point d'acier. Et ça fait 3 et 3, 6 save APA moins 2. Donc save 6 pour 6 de tes bonhommes. 6 save à 6. Et 0, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça te fait 9 protocoles de réanimation. Allez, on fait nos 9 protocoles sur du 5 plus relance les 1. Ouh. On est sur du Nécron vénère. On est sur du Nécron qui se relève. On est quand même sur du bon Nécron. Là. Sur 9 pertes, ça fait 2 morts. Bon, voilà. Je vais mettre des petits bâtonnets, moi. Ah, les gars, ce serait bien de taper un peu plus fort, là, parce que... Oh, mec. Je reviendrai. Les 12 attaques de guerrier Nécron sur du 2+. Parce qu'on est du Nécron de compète. Ouais. Et est-ce qu'ils vont faire mieux que les immortels, maintenant qu'il faut blesser? Les 4. Ah, il y en a, quand même. Une petite relance. Une petite relance, mais tu l'as oublié la dernière fois. Voilà. Ouf, fin de loup. Ça fait 7 save à pas de PA. 7 save à 2. Pas de Zeb. Ça devrait aller. Mais je suis capable d'en rater quand même. Ah, tu peux, statistiquement, tu vas en rater une. Et j'en rate même 2. Ah, tu as un mort. Gade donc, un mort. Non, c'est alors, savoir que c'était lui, normalement, ouais, on avait dit. On l'avait dit. Et un à 2 points de vie. Et on va garder celui à l'albarde. On continue la phase de combat avec maintenant. Allez, des 3 d'attaque et du Razorback, ça fera 2. Ça sur du 6, attention, va-t-il enfin réussir? Oui! 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 J'ai tourné sur la gueule! Ouais, sur du 3! Sur du 3. Moi, j'ai roulé sur le pied, mais apparemment, ça a rien fait. Ça a rien fait. Le télévissant, tu peux toujours les rouler sur le pied. À mon tour maintenant avec mes concombres de combat. Donc c'est sur du 3. Ouh! Eh oui, mais là. C'est là, ici. Il touche, hein, il touche, il s'est bien entraîné à la touche. Mais il n'a pas fait assez de muscu. Maintenant, ça va être sur du 5. Ouh. Une petite relance. Ouh. Le jet. Allez. Le jet de 5. 6 save. Et il n'y a pas de. Alors, on ne sait plus ton non, protocole. Non, pas de PA, c'est pour le mouvement. Ouais, c'est save à 3. Et je repère encore un point de vie, ah, je passe à 4. Il est pas mal ton jet quand même. Ah, il est propre, hein. Putain, vous faites déjà là, les gars. Ah, c'est quoi ce problème? Bon, alors, le chapeling. Le chapelain, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va attaquer, il va faire ses 4 attaques. Sur du 4 plus? Ah oui, sur du 2 plus, pardon, qu'est-ce que je raconte? Sur du 2. Et c'est la force 6 sur endurance 5, ça sera sur du 3 plus. Ça fait 2 sauvegardes, AP à moins 1, monsieur, s'il vous plaît. 2 save à 4 plus. C'est tanké. Vous m'avez sauvé ma vie. Oh, je vous dois une fièvre telle. Voilà, vous n'avez pas la dent maintenant, parce que bon, il serait temps de montrer au chapelain comment on tape. Voilà, c'est ça. Comme il me les a cliqués, bah, ça fera 5 attaques pour le patron. Sur du 2+, il n'y a pas de relance parce que je ne suis pas sur Titanie. Force 5 sur l'endurance 5, c'est sur du 4. Relançable grâce à point d'acier. Non, ça fera déjà 2 save à PA moins 3.
Et tant que la partie se termine, parce que je sens que il s'essouffle avec ses paladins. De save à 6, nobody. Apparemment, ça craque dans le décor. Ça fait déjà 2 morts. Ensuite, les 4 attaques de l'autre derrière sur du 2+, ça touche. Force 6 sur endurance 5 sur du 3+, relançable grâce à point d'acier. Ça fait 3 saves, à perdre moins d'eau. S'il vous plaît. 3 saves à 5. Non. Comment on s'en sort? Comme d'habitude, si mal que ça. Putain, les paladins, mais ils ont fait le taf. Mais c'est ouf. Ah. Eh ben, on va compter les points des nécrons. Fin du tour des nécrons. Ouais. Eh ben, on va pas marquer grand-chose, hein. on va quand même marquer assassinat. Voldus, ton seigneur de guerre. Ah ouais, quand même. Non, c'est pas mon seigneur de guerre, c'est mon chaplain. Mais ça fait quand même 3 points. Plus de chaplain. Donc, 3 points de personnage et 3 points d'abourrer le sorcier. 5. Parce que c'est un personnage, mes copains. Excusez-moi. Donc, 5 plus 3, on est sur 10. Bon, c'est bien compté, on est d'accord. On est à 8. Donc, ça fait 8 points en tout. Et est-ce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de GK sur cette négatif, table? Parce que là, j'ai pas pu repousser quoi que ce soit. Ici, il lui reste des paladins. Et après, il est présent sur les deux autres cartes de table. Donc ouais, mais il est là, avec les paladins. Il est ici avec sa strike squad. Il est ici avec son autre strike squad, pardon. Et il est là, bon, il est partout. Les GK sont partout. Les GK sont partout. Les GK ont rudement tanké. Et les GK vont jouer leur tour 5. Tour 5 des GK qui sont devant. Oh là, c'est... Je pense que voilà, ça s'est bien passé pour moi. Tu regagnes un PC. Je regagne... Un puissant PC, voilà. Même si je n'en aurais pas l'utilité. Ouais. J'ai ni telle ni à faire, j'ai pas besoin de la faire, donc je ne la fais pas. Voilà. Et on va passer à ma phase de mouvement. Alors, ce qu'on va quand même expliquer par rapport à ta phase de mouvement, c'est que, effectivement, en tournoi, dans la logique pour expliquer aux joueurs qui nous regardent, en tournoi, évidemment, tu pourrais, ici, avec ton paladin qui tient la bannière, bah, téléporter ton unité qui est ici. Alors déjà, je les regrouperai. Je les regrouperai pour essayer de relever une figurine grâce à l'apothicaire avec mon PC. Je les regroupe. Je téléporte de l'autre côté. Je garde sur mon courant de célérité. J'irai charger l'unité là-bas pour continuer de... Voilà, ouais, tu te téléportes ici à 9 pas et tu fais une charge sur les nécrons. C'est ça. Pour essayer de fiabiliser tout ça, une fois tout fait, je ferai des points d'acier pour armer full relance. Enfin, je tenterai de tout fiabiliser au maximum, et puis je resterai dans mes cartes de table pour continuer sur tous les fronts, et puis ça serait bien. On se retrouve tout de suite après ta phase de tir. Après ta phase, pardon, de mouvement. Alors, mon ami Kixos, c'est parti, tu veux faire montrer un petit trick à nos viewers, alors vas-y. Là, l'idéal à faire pour aller gratter des points, comme il disait en tournoi, ça aurait été, j'aurais rapproché mon apothicaire, relevé avec un PC le paladin. Ouais, bah oui. Là... L'invocation focale aurait été faite avec mon chaplain pour donner le plus 1 en caisse à tout le monde à 6. Ici, vu que j'avais changé de sort, portail d'infinité sur ces paladins qui seraient venus se décaler ici. Ouais. Tenter la charge avec mon courant de célérité qui fait que j'aurais encore eu un 3 à la place des 1 et 2. J'aurais gardé un PC pour fiabiliser cette charge. Et après, on aurait essayé de wiper cette unité pour cette fin de tour, les écarter de ce dernier point. Mmh. Là, pour le coup, ça va se terminer que juste ces paladins vont se désengager pour éviter au pire de me faire tuer et garder mon sur tous les fronts et scorer gentiment la fin du tour 5 pour moi. Voilà, sachant que tu t'es désengagé là aussi. Alors, on va faire le scoring. Tu as donc scoré sur tous les fronts à 3 points, donc au max. Ouais, c'est ça. Tu as capé tes primaires. Je capte mes primaires et on va calculer le pas de prisonnier. On va calculer le pas de prisonnier et tu avais pris aussi... Le rituel purificateur que tu avais déjà capé avant. Eh bien, on se retrouve tout de suite pour le score final et le débrief de la partie. On se retrouve avec Kixos et ses 4 pour cette fin de partie très intéressante avec des GK que tu as nouvellement pris en main. Ce sont les GK d'ailleurs de la chaîne. Puisque, bon, bah voilà, c'était plus pratique d'avoir une armée peinte sous la main, n'est-ce pas? C'est mieux, hein. Et donc, C4 aussi, avec ces Nécrons. Peint par moi-même, cette fois.
Le résultat de la partie, 88 pour Kixos à 62 pour C4. C'est donc une revanche pour Kixos, oui, suite à la première défaite qu'il avait subie face à toi. Hein. C'était bien débrouillé. Hein. Et il s'était bien débrouillé, donc voilà, c'était le strike, hein, parce que bon, après tu as même été en roue libre sur le tour 5. On rappelle que tu as fait 45 points primaires, KP, bravo. 15 points de rituel de purification. Voilà, ça n'a pas déconné non plus, hein. 15 sur 15 possible, donc c'est capé. 7 sur 15 en pack prisonnier, mais si tu avais forcé au dernier tour, tu aurais peut-être pu monter jusqu'à certainement 8, voire 9 points sans problème. Et sur tous les fronts à 11, ce qui est très honorable pour un sur tous les fronts, surtout avec du GK. Et bien sûr, plus 10 de bien joué, on s'est fait 78. Plus 10 de bien joué, non, plus 10 de bien peint, c'est mieux. Plus 10 de bien peint, pardon, ça fait 78 et donc 88. C'est vu au Roland de la Belote, plus 10 de bien. Moi, j'ai que c'est un 10 offert par la chaîne, du coup, pour la pension. C'est un 10 offert par la chaîne pour la pension, mais bon, c'est le cas. Et quand on est en tournoi, eh bien, ce qui compte, c'est pas de savoir qui a peint les figurines, mais si elles sont présentables. C'est le cas, toi, de ton côté, tu as fait 30 sur 45 en objectif principal. Ouais. Et ça a été assez difficile. Abhorrer le sorcier, 11 sur 15, pas mal. Éliminer la vermine, 8 sur 15. Étonnamment, tu t'en sors bien, alors qu'il a fait un bon sur tous les fronts. Donc voilà. 3 seulement en assassinat. Et là, c'est un petit peu le bas qui blesse. Et plus 10 de bien peint. Donc 62 points. Donc 88 à 62. Bravo Kixos. Bon, bravo les GK. Ouais, et il a... bravo les paladins. Donc, bah, on va commencer tout de suite. Honneur au perdant. On est très voilà. C4, que peux-tu nous dire de ta partie? Qu'en as-tu pensé? C'était du GK boosté à la caféine. C'est ça. Alors qu'il a fait très chaud dans le studio pendant tout le tournage. Non, franchement, c'était une très bonne partie. J'ai pris un léger cul parce que la diff est pas non plus ouf. J'ai pas pu aller chercher l'assassinat parce que c'était très compliqué, qu'il a bien réussi ses saves, ses invus, parce que j'envoyais quand même du lourd hein, sur ce que quand je l'attaquais. Soit j'ai raté, soit il réussit les invus. Le pack qui se fait nettoyer côté destroyer, j'étais pas prêt. Non, je crois que personne n'était prêt. Je rappelle, 2 paladins sur 3 seulement ont tapé. C'est ça. Ça a fait sauter 5 destroyers. Qui en plus avait le moins 1 pour être blessé. Ouais. Donc, je veux dire, ils étaient. Normalement, ils tankaient. Un peu plus aisément. Mais après, l'avantage que j'avais, c'était la fiabilisation. Surtout quoi, entre le chaplain, la petite relance du jet touche. Bon, même si c'est que 2 plus relance D1, ben, c'est quand même une relance. Un pied 1, malheureux, ça arrive. Le point d'acier qui fait une relance des blesses affreuse. Le plus d'une attaque du doyen aussi. On va y revenir, mais c'est vrai que c'était ultra violent. Il y a eu ça, donc bon là c'était un premier quart de table où bah, du coup j'ai souffert parce que je pensais vraiment me projeter justement chez lui. Les dépeceurs, où je m'attendais quand même à faire quelque chose. Alors là les dépeceurs, bon certes tu rates tes 2 charges, bon déjà c'est pas de cul, parce que bon t'aurais pu en réussir au moins une sur les 2. Sachant qu'une ça aurait pu être bien. En sachant que t'en relances une en plus. Hein, tu fais. J'en relance une, ouais, donc c'est quand même 120 points de figurine. Ouais, j'ai trouvé ça. Alors... est-ce que justement dans ces cas-là, il ne vaut pas mieux les mettre derrière des murs? Parce que comme ça, ben, si ça rate, eh ben, au moins tu es protégé. Maintenant, t'avais pas chargé, tu ne l'avais pas fait à la fin du round 2, enfin à la fin de ton deuxième tour de mouvement, tu n'avais pas, tu ne les avais pas mis sur table. Et on était à la fin du tour 3. Au début du tour 3, mais à la fin de sa phase de mouvement, je vais y arriver. Et tu étais obligé de les poser, parce que sinon ils étaient noirs. Donc, j'étais obligé de les poser, et dans tous les cas, j'avais pas de mur. Parce qu'il était, il était partout. Il était partout, il était déjà partout. Est-ce que c'est une erreur de ne pas les avoir mis sur table pour justement l'empêcher de FEP tout simplement en contre-close? Bah, je m'étais bien positionné justement pour l'empêcher de FEP chez moi, sauf que bah, le fait qu'il soit venu, parce qu'il est venu devant moi, il a quand même fait. Ah ouais, tout à fait. Et il m'a nettoyé en fait l'unité, donc ce qui lui a permis d'avancer après de prendre le quart de table. Il faut noter que si toi tu n'as pas réussi tes charges, tu peux dire que de ton côté, c'était pas mal. Et l'avantage, encore une fois, c'est GK, quoi. Courant de célérité, les 1 et 2 qui se transforment en 3, le chaplain avec son trastinum de guerre qui est encore en plus 1 à la charge s'il a chargé. C'est une fiabilisation. Ah ouais, aujourd'hui, c'est des petits points, hein, c'est... aujourd'hui bon, sur, à l'heure où on tourne, en termes de fiabilisation de charge, alors les orques sont nettement en dessous, clairement,
Alors qu'avant, bon, ça, il pouvait y avoir des choses, notamment le plus en charge, et ainsi de suite. Mis à part la Raven Guard, bon, voilà, il n'y a pas grand-chose qui fiabilise autant là, parce que bon, des 1, des 2 qui se transforment en 3, déjà, c'est énorme. En fait, c'est énorme. À lire comme ça, tu te dis, ouais, c'est pas mal, c'est comme un plus en la charge, quoi, machin. Mais non, pas du tout. En fait, c'est ultra fort, parce que on l'a vu avec le Chaplin, à un moment, si t'es à 6 pas, bah, c'est une charge auto. Charge auto, ouais. Enfin, c'est, tu peux pas rater, quoi. Et en plus, plus 1, le Chaplin qui est pas fou-fou en GK, clairement, bah, il fait quand même le taf. Il fait son taf. Hein. C'est un buffer. Hein. C'est un énorme buffer. Et on voit là, typiquement, la différence. C'est-à-dire que toi, c'est 4, t'as deux unités, 100, bah, pas énormément de points, mais 120, 130 points qui sont là. Tu auras tes deux charges, relançables, pour une, au moins. Bah, t'es dans la pompe, t'es comme un con. Exactement. Donc là, après, bon, bah, du coup, ces deux unités-là vont servir à rien. Et le dernier point où là où j'aurais peut-être dû mettre, c'est le protocole justement pour me désengager de tirer, ce qui aurait pu me sauver un petit peu. Parce que engager avec le Razorback et engager avec le cuirassé, ça m'a quand même bien peiné pour faire des tirs en fait, tout simplement. Ouais. Ou même me dégager des paladins sur éventuellement le dernier tour, comme le Razorback, et éventuellement wipe unité pour marquer 3 points de plus d'abord et le sorcier. Mais bon, ça après. Après, on voit aussi que des paladins qui ont 3 points de vie, alors il les avait déjà avant, hein, que ce soit ça clair, mais qui ont 3 points de vie. Qu'on une de plus, qu'on une invue à 5, voire qui peut passer à 4. Tu te dis, ouais, ok, c'est 3 bubus, on a un point de vie. Bah, c'est pas facile à tomber. Non, c'est non, vraiment pas évident. Quoi. Avec la save et les points de vie, en effet, ça fait. Oui, et sur ces nouvelles tables qui sont quand même chargées, il faut avoir les lignes de vue. Il faut pouvoir vraiment mettre la dose de tir. Alors, si t'as du fuseur, ça passe. Là, dès que tu touches, il veut dire qu'il rate sa save, c'est du gamble, c'est un peu du. Ouais. Voilà, c'est une chance sur deux, bim bim. Mais là, avec du tir qui fait un point de vie, qui n'a pas beaucoup de PA et ainsi de suite. Il faut de la PA moins 3 minimum. Ah ouais, t'as vraiment. Moins 3, c'est le mini. Hein. Mini. Bah ouais. C'est vrai que le codex GK est très bien pensé. Il faut prendre le temps de faire chaque phase, d'utiliser bien ses courants, de bien penser à faire ses sorts psychiques l'un à un, bien penser à dans quel ordre les faire. Mais alors quand ça se goupille bien. Je me demande s'il faut même pas presque se noter un espèce de conducteur de sort pour aller faire. Parce qu'en fait, on a vu que tous les tours, tu refaisais un petit peu les mêmes séquences de sorts, les uns derrière les autres. Chaque unité ayant son sort propre qui permet de booster, et ainsi de suite. C'était, Après, c'est quand même très dépendant de comment va se passer la game, en fait. Donc si à son tour et le mien. Pas par exemple ici je le laisse complètement dans la pampa, là ça va être plus intéressant qu'il fait pour quoi que ce soit. Donc il y a des moments il y a des sorts ou qui vont forcément qu'il va refaire régulièrement quand il va vouloir venir close le max d'unités en tournant autour de la table. Mais après il peut très bien close une unité rapidement et se retrouver avec plus rien et il faut qu'il aille ailleurs derrière ou quoi que ce soit. Mais c'est là où le fait de pouvoir, c'est là où ta veste est bien montée aussi, c'est que là où tu t'es gardé la possibilité de changer un des sorts. C'est ça. Donc là, j'ai joué sous les traits des conjurateurs, parce que j'avais joué Voldus. Et le stratagème des conjurateurs fait que un personnage nommé, enfin, personnage psycheur, peut modifier un de ses sorts de la discipline Dominus. Donc il y en a 6, dont le portail d'infinité, le sanctuaire et tout ça. Il peut changer un de ses sorts de cette discipline Dominus par un autre. Et là, je me suis servi de mon doyen paladin qui est un personnage, donc du coup le mot clé personnage était parfait pour ce coup là. J'ai changé son amplification en pyrène qui augmente de 1 les dégâts des armes Némésis par le portail d'infinité, donc j'ai fait un deuxième tremplin avec lui pour aller ramener les paladins ailleurs, et ça fait une flexibilité, c'est terrible, c'est une flexibilité de ouf. Alors il est clair que il faut mettre des personnages, il est clair qu'on a plein de psychères, donc l'assassinat a aboré le sorcier contre du GK et très très fort. Bah, c'est à prendre, c'est quasiment à prendre. Par contre, si le mec n'arrive pas à aller chercher les personnages. C'est ça. Et là en plus, j'ai pris une cuirasse qui me mettait plus 1 à mes jets de save, un Feel No Pain à 5 sur tous les dégâts, au lieu que ce soit juste sur les blessures mortelles du GK. Le chaplain, plus en plus la politicaire qui le court après, salut toi, petit piqueur, tiens, hop. Ça l'a tanké, et puis bon, après j'ai raté aussi des tirs, mais ça l'a fait tanker vraiment énormément. On peut quand même dire que Kixos, qui est pas réputé pour un joueur qui a beaucoup de chat, là il y a eu la chagate un peu quand même, hein, un peu là quand même. Et ces 4 pas plus que ça, parce que t'as eu des tirs notamment. Des tirs bien, des tirs moins bien. Après,
Non, mais je pense pas trop que c'est ça qui... Enfin, je me fie pas trop à ça. Je pense que c'est vrai que là, on voit que les GK, c'est quand même assez fort au CAC. Ouais, c'est fort. Que ça peut être tanky, mais surtout, comme tu les as joués, en fait, la façon dont tu les as joués et ce que tu leur as mis, ça fait vraiment une unité mobile, tanky, et qui tape violent. Alors, on va maintenant passer à Kixos, qui va... Bon, okay, tu nous en as parlé, mais tu vas quand même nous en reparler, parce que là, ça faisait un moment que tu n'avais pas... T'es arrivé au studio ce matin en disant « Oh, ce moment que j'ai pas gagné une partie, moi j'en ai marre, machin. » Bon, alors là, t'es content? Ah ouais, là, ça fait... Ouh, ça fait du bien. la moutarde, elle descend gentiment, là. Que récemment que j'ai pris les GK en main, donc j'ai dû bouquiller le codex et essayer de trouver le potentiel dans ce codex, qui est en fait... Et il est à la fois fun, c'est ça ce qui est bien. Avant, moi, je le trouvais un poil compliqué, quand même, parce que c'était assez rapidement que si tu mettais des sorts, tu choisissais tous tes sorts pour toutes tes unités, bon, là, t'as moins de choix, du coup, ça le simplifie. Donc, il est plus fun, parce que t'es moins sur tes fiches en train de dire, attends, je lui ai mis quoi déjà à celui-là, blablabla. Il est fun, il est fort, parce que, bah, mine de rien, tes unités, elles ont pris un point de vie, et ainsi de suite. Ouais. T'as des armes qui déboîtent. T'as plein de combos. Enfin, c'est des combos qui rebondissent en plus. Ah, oui. C'est des espèces de trucs de billard à trois bandes, sans arrêt. Alors le mec, il peut les voir venir, mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Le type, il se TP, c'est un se transforme en trois, tatati tatata. Donc, sauf à réussir à contrer tous ses sorts, et on a vu que tu en lançais, mais une palanquée par tour de par phase, c'est compliqué quand même. Hein. Parce que là, à un moment, t'as pu en contrer un, et c'était sur un 4+, mais t'as raté. Mais c'est ça. Donc, bon, j'avais que ça pour le contrer, donc bah, oui, ça incarne le seul truc contre les BM, c'est voilà, c'est des films no pain. Oui, parce que t'as même pas fait plus de... On pourrait se dire, ouais, le GK, ça chie de la mortelle. Mais en fait, même pas plus. Enfin, c'est même pas ça qui est si... Ouais, mais c'est même pas ça qui est si fort. Non, ce qui est fort, c'est... Enfin, c'est sa liste qui était tournée au CAC. C'est la fiabilisation de tout, et surtout cette grande flexibilité, parce qu'à un moment, si t'es coincé, bah tu te TP, si t'es coincé, tu te mets une sauvegarde à 4+, un vu, allez hop, tu te mets un truc, un milieu, et la relance de quand tu frappes, enfin bon, plein de choses. Hein. Mais c'est le fait de pouvoir changer en pleine game, justement, un peu la phase du truc, en se disant, bah là je suis dans la merde, mais je vais pouvoir profiter d'un vu à 4, ou des trucs comme ça. Ouais, exactement. Ça, c'est ça qui est tellement bien dans cette armée, c'est que là, on prend les paladins qui ont été... Je pense, en plus par 3, ouais. par 3, ça a été... Alors c'est clair qu'il faut, lancer des sorts pour mettre plus d'un dégât, il faut lancer ci, il faut lancer ça, tout se fiabilise, mais en fait, ils sont... c'est pas des sorts très durs à lancer non plus. C'est souvent du 5 ou du 6, c'est pas des sorts Eldar, soit du 7, J'ai fait le choix de les mettre les deux fois 3 paladins avec les mêmes sorts, donc la flamme purificatrice et le point d'acier qui permet la full relance des blesses au combat. En fait, à un moment, j'ai pas besoin de relancer mes blesses, donc je lance un sort qui fait mal, autre que le châtiment. Mm. Si jamais j'avais vraiment eu envie, j'aurais pris un PC, hop, un sort en plus, boum, un autre châtiment en plus de la flamme purificatrice. Donc sur 2, 5+, je mets 3 BM et des 3 BM. Déjà là, ça commence à être... Enfin, c'est... Et dès l'instant, en plus, on peut fiabiliser, là ça a été très bien fait aussi, avec le porte-bannière qui rajoute une attaque, rien d'extraordinaire. Ah. C'est assez classique chez les Space Marines ou dans l'Imperium. Mais bon, ça fait vraiment le taf quand tu tapes vraiment fort. De plus, c'est de plus. Hein, et encore que j'ai pas utilisé tous les courants de convergence qui faisaient que si je passais des blesses 6, je faisais des BM en plus encore. Donc là, au niveau dégâts, ça... C'était... Mais en même temps, on sent que c'est une armée qui est pas complètement débile, dans le sens où, certes, c'est fort, certes, il faut se les manger, mais il n'y a pas un sentiment de je peux rien faire, c'est juste les règles qui ont pété, voilà. Je peux rien faire. Ok, t'as une armée trop forte, merci, bonsoir, au revoir. Non, il y a eu match, quoi. On voit au niveau du tir que c'est pas hyper violent. Hein. Non, c'est clair. Le tir, ça se gère. Mais que c'est vrai qu'en fonction des tables que l'on a, faut peut-être envisager d'avoir un peu plus d'unités qui vont pouvoir tenir le truc. Ou éventuellement jouer avec des nuées de scarabs, si on est mécon, peut-être que ça peut aider aussi. Ouais, En fait, ce qui s'est passé au centre de la table avec le Razorback, c'est peut-être ce qui aurait dû se passer. C'est-à-dire soit avec des nuées, soit avec des machins, soit avec des trucs. Là-bas aussi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que avec une nuée de scarabées devant les destroyers, au tir, je suis pas sûr que ça tombait, et au 4, ça le bloquait. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'était eux qui prenaient de la BM aussi en priorité, vu que la première unité visible. Ouais.
Après, et... ça me serait changé aussi ma liste d'armées, forcément. Donc, Bien sûr, bien sûr. Mais par exemple, si tu avais mis 150 points de nuées plutôt que 150 points d'écorcheurs... Ça me faisait 3 nuées, ouais. 4, je crois. C'est quand même... bon, c'est pas génial, mais ça aurait peut-être... Je sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que on a vu une armée, et je pense que tu peux le vérifier, Kixos, enfin, aller dans ce sens-là, on a vu une armée... D'abord, qui est sympa à peindre. Là, c'est celle du studio, mais c'est relativement facile à peindre. On peut bien sûr upper le level, mais ça reste sympa parce que voilà. Les figurines sont simples, enfin, sont, même si elles sont assez anciennes, parce qu'ils n'en ont pas ressorti, à part Clermont Brago, non, à part Castellan Crow, voilà. Les figurines sont sympas, les Némésis sont ouf. Ouais. La figurine, elle est trop facile. Alors, le paradoxe, c'est que c'est pas si ouf que ça sur table, mais c'est vachement sympa. Ah, jouer en grand maître, ça tape. Ouais, en grand maître, ça tape. Mais là, tu l'as joué, t'as été sobre, il coûtait pas trop de points, on a vu qu'il avait bien servi. Et puis, il y a cette. Voilà, c'est sympa à jouer. Enfin, il y a plein de choses. Tu peux faire le codex. En fait. Le codex, il offre plein de trucs. Et encore que là, c'était les conjurateurs, mais il y a tellement de confréries qui ont tellement de possibilités. C'est-à-dire qu'on peut même exploiter du véhicule, on peut exploiter le tir grâce au véhicule. Enfin, il y a plein de trucs à jouer. Et c'est ça qui est rigolo. Et par contre, je pense qu'il faut être prêt à faire du sort psy et à savoir comment on va les faire pour bien s'orienter et pas faire n'importe quoi. Il n'y a que ça à se dire, ok, ma phase de psy. Je l'organise comme ça de manière à ce que mes phases suivantes se déroulent bien. Je pense qu'il n'y a que ça à réellement penser et à penser aussi à pouvoir modéliser ces courants. Parce que, mine de les courants, ils font le café quand même. Hein. Mm-hmm. Hein, au début, le plus 1 en save, moins 1 à la touche si j'étais dans le décor, ça enlève quelques tirs, ça fiabilise un peu. Puis après, quand j'ai décidé d'aller au CAC, c'était parti. Hein. En avant, trompette. Non, c'est bien. Et en plus de ça, c'est vrai que c'est intelligent. D'attendre le deuxième tour, la fin du mouvement du deuxième tour, parce que ça te permet d'allier tes frappes en profondeur et en même temps un petit sort qui te permet de mettre une unité de plus à 9 pas, et donc avec cette histoire de fiabilisation des charges, ouais. d'être vraiment intéressant. Enfin, ouais. Franchement, moi j'ai trouvé que tu avais super bien joué cette partie et que C4, il a été, même s'il avait eu plus de chance au dé, peut-être. Bon, t'as eu de la réussite, hein, faut quand même dire. Ouais. T'as pas raté une charge, c'est un truc. Mais globalement, à partir du moment où on fiabilise ses charges, parce que il y a des moments où tu fais 11 en charge. Bon, ok, elle est réussie. Mais en définitive, t'avais même pas besoin d'autant. C'est-à-dire qu'il suffisait que tu fasses un 6, et comme l'autre dé était forcément 3, ta charge était forcément réussie. Même pas un 6, un 5, puisque finalement, mon chaplain avait plus 1. Ah oui, ton chaplain donne un plus 1, c'est non, franchement, c'est. Alors, en tout cas. Moi, ça m'a donné envie de revoir du GK sur ces formats-là. Je sais qu'on vous verra. Alors, au moment où vous tournez cette vidéo, ce n'est pas encore, le passé, mais au moment où cette vidéo sera sur la chaîne, peut-être ce sera déjà passé. Il y a un tournoi, donc le tournoi Angoulême de la JH, 40 000 Wargamer à JH, avec aussi la compagnie du Val-de-Mort qui l'organise. Franchement, même en 1000 points, je pense qu'il y a des choses à faire en GK. Ah oui. Ah oui, avec un bon support, ça peut être vraiment pas mal. Et donc vous allez faire le tournoi dans cette configuration-là et on verra ce que ça va donner, mais ça peut être vraiment sympa. En tout cas, Kixos, est-ce que tu as des choses à rajouter puisque c'est ta première victoire sur la chaîne? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et tant que c'est serré comme ça, les parties, pourvu que ça dure. Moi, je vais juste rajouter une chose. D'ailleurs, il y a une armée de tyrannides avant, maintenant, si ça intéresse. Quelqu'un. Bon, si vous avez un peu de thune pour acheter 7000 points d'armée. ça, c'est une vraie question, parce que souvent, quand on change d'armée, quand on passe d'une armée à l'autre, on a une espèce de fait coup de cœur, et puis après, son armée de cœur ou son armée première, on la délaisse. Souvent, après, on y revient plus tard. Donc, si je peux vous donner un conseil, ne vendez pas vos armées, sauf problème d'argent, mais sinon, gardez-les, parce que. D'abord, d'une version à l'autre, il y a toujours plein de choses qui changent. On est content d'avoir ses armées. Puis en plus de ça, surtout sa première armée, c'est ta première armée, Jean Stealer. Tyrannide, oui. Et puis ça prend de la valeur avec le temps, donc merci Game Workshop. Merci Game Workshop. qu'est-ce que tu en penses? Puisque tes tyrannides,
Est-ce que tu dis oh là non j'ai trop envie de jouer Tyranide ou est-ce que tu dis oh là là il faut que je paye mes GK parce que là les GK c'est trop bien. Voilà, là j'avoue que je crois que j'avais déjà compris un peu la puissance du GK. Là vu sur table en fait entre une armée V8 hein, qui a pas cette fiabilisation et l'armée V9 où en plus on peut qui profite un max de tricks. Je suis désolé, c'est entre les invulnérables à 4, les machins et encore j'ai pas utilisé tous les sorts mais qu'est-ce que vous voulez, les tyrannides, j'adore les tyrannides. C'est mon armée de cœur, franchement, c'est mon armée de cœur. J'ai qu'une envie, c'est de tout bouffer avec, c'est clair. Mais quand on voit que la 3 pouffe figurine pose de la praline et que ça se relance dans tous les sens et qu'en plus, il y a un petit mec derrière qui court avec une bannière, tiens, tu vois une attaque en plus. Ouh, d'accord. Non, tiens, le petit swipe. Ouais, c'est... Oh là là, ah, mais c'est clair. Et à coup de rien en plus, un PC, je te relève un paladin, quand on voit comment c'est chiant. Quoi, il manquait de PV, tiens, je te les remets. Enfin. Vivement le codex V9 Tyranny, vivement. Mais un codex V9, on sent quand même qu'il y a une différence de mécanique. Il y a une énorme différence de mécanique. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Chérie, on part plus en vacances. J'achète des GK. Alors, s'il les achète chez click29-hobby.fr, il pourra partir en vacances quand même. Grâce au moins 20% avec le Tipeee. Du moins lui. Elle, peut-être pas. Mais lui, il pourra. En tout cas, merci beaucoup messieurs d'être venus. On a eu un peu chaud parce qu'il faisait très chaud aujourd'hui, ouais. mais effectivement, c'était une belle partie, c'était une partie sympa à suivre. J'espère pour vous que ça vous a plu aussi, que ça a été la même chose pour vous derrière votre écran. Cette vidéo de rapport de bataille est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que cette partie a été jouée sur un battle map de la marque Torek Accessories, que Torek Accessories est un partenaire de la chaîne, et que les liens sont dans la description de cette vidéo. Merci aussi à 3D Board Game pour les décors. Je vous rappelle qu'il y a un lien d'affiliation Dans la description de cette vidéo. Je vais y arriver, je commence à fatiguer ce soir. Et si vous achetez des décors chez 3D Board Game ou des sous-socles ou des figurines, ils ont toute une gamme de figurines, très belles figurines. Ouais, ouais. Vous soutenez la chaîne puisque 3D Board Game redonne 15% de vos achats par le lien d'affiliation. Par contre, il faut bien passer par ce lien-là. Je vous rappelle aussi que si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire grâce à son Tipeee et que grâce à ça, vous aurez moins 20% chez click29-hobby.fr. Là encore, vos achats hobby. Alors, je vous rappelle que click29, c'est un magasin physique à Landivisio et que vous pouvez les appeler. Voilà, les gens qui sont... Appelez Manu. Voilà, appelez Manu. Appelez Manu, il est très cool. Hyper à l'écoute. Hyper à l'écoute, je peux vous garantir que il a pas, il va vite l'avoir. Hein. Vous lui demandez un truc, c'est ça. Ah non, franchement, il faut dire ce qu'il est. La boîte, on l'a eu. Tous les commerçants étaient aussi réactifs, je pense que tous les acheteurs se porteraient mieux en fait. Hein. Et en plus, moins 20% avec le Tipeee. Moins 20% avec le Tipeee. Et puis en plus, avec le Tipeee, on peut venir jouer ici. Oui, c'est bien. La preuve, ils sont tipeurs tous les deux. Et je pense que l'idée, c'est quand même d'être le plus communautaire possible et d'essayer de partager les bons plans, les ceci, les cela. Maintenant, vous êtes même à la compagnie Val-de-Mort tous les deux. Vous venez faire des tournois du club. Enfin bref, c'est. Ouais. Ils ont acheté la moitié de la maison. Ils dorment là. pour finir, n'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air. C'est important de commenter la vidéo, de la partager si vous avez des choses à dire, et de la partager parce qu'on a besoin de faire grandir la chaîne. Nous voulions remercier tout particulièrement les abonnés de la chaîne, puisque ça monte, c'est pas encore un. N'oubliez pas de partager autour de vous la chaîne. Et puis en attendant de nous retrouver pour de nouvelles vidéos, nous vous souhaitons à tous un très bon hobby. Mais surtout n'oubliez pas que sans maîtrise, la chagat n'est rien.